Bien, je vais présenter très brièvement Michel Spiro, qui est notre conférencier de ce soir, qui va parler du grand anneau du CERN et les deux infinis, et qui va aussi répondre à toutes les questions auxquelles vous pourrez penser dans une seconde partie de son, après son exposé. Michel Spiro est surtout connu à l'heure actuelle comme président du conseil du CERN, et donc lié au boson de Higgs, et tout le monde a entendu parler de lui, et donc je lui laisse la parole très rapidement. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Souriez, vous êtes filmé. Donc je vais vous parler, juste pour compléter la présentation, puisque vous êtes jeune, hein, je vais quand même vous raconter mon cursus. Hein. J'ai été dans les classes préparatoires aux grandes écoles, j'ai fait l'école polytechnique, ensuite j'ai fait de la recherche en physique des particules, astroparticules et astrophysique. J'ai été tour à tour enseignant à l'école polytechnique, j'ai dirigé un service puis un département au CEA et ensuite un département au CNRS de physique des particules, physique nucléaire. J'ai représenté après la France au conseil du CERN, je vous parlerai du CERN et du côté un peu géopolitique que représente le CERN. Et j'ai été élu, donc fin 2009, président du conseil du CERN pour 3 ans, et je termine ce mandat la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine. Voilà, je vais m'asseoir, parce que ce sera peut-être plus facile pour vous faire les présentations. Et donc je vais vous parler, comme le titre l'indique, du grand anneau du CERN, dont vous pouvez voir une image, la projection sur le sol. Hein, c'est une machine souterraine de 27 km de circonférence, qu'on appelle le LHC, et qui fait collisionner des protons qui tournent dans un sens ou dans l'autre et qui donc se rentrent dedans de plein fouet, ou bien même aussi des noyaux de plomb, plomb-plomb, fait aussi des collisions plomb-plomb. Et donc ça permet d'une part de mieux comprendre les composants élémentaires de la matière, ce qu'il y a dans les protons, fabriquer des particules par la relation E égale MC2, la violence du choc c'est une énergie considérable, et en même temps ça permet aussi de reproduire en laboratoire des états de la matière telle qu'elle était lorsque l'univers était beaucoup, beaucoup plus chaud que maintenant et beaucoup, beaucoup plus dense que maintenant, puisque les lois de la physique nous permettent de remonter l'histoire de l'univers et de savoir qu'il était de plus en plus chaud, de plus en plus dense, plus on remonte dans le temps. Et donc en laboratoire, on reconstitue un petit peu, on essaie d'avancer, faire un peu l'archéologie de l'univers en reconstituant la manière dont la matière se comportait dans les tout premiers instants de l'univers. Alors le site, hein, il faut bien voir quand même la taille de cet anneau, hein, 27 km de circonférence. Ici, vous voyez, c'est près de Genève, hein, c'est sur la frontière franco-suisse. Là, vous avez le lac Léman, pour ceux qui connaissent un peu le coin, le Mont Blanc ici. Le Jura est en premier plan ici. L'anneau passe près de Ferney-Voltaire, de Gex. Et le centre historique du CERN, hein, qui est en Suisse, il est ce côté-là, ici, là où c'est marqué CERN. La frontière est en pointillé. Donc la machine est essentiellement du côté français. Hein, la Suisse est par là et la France est par ici. Le CERN historique a commencé à se construire à partir des années 50. Le CERN était créé en 1954. Et la première machine, on la voit à peine, tellement elle est petite, elle était en rouge ici, dans les années 60. Ensuite, on a eu qu'on appelait le PS, synchrotron à proton. Ensuite, on a eu une machine dans les années 70-80 qui a été construite, qu'on appelle le SPS, qui fait déjà 7 km de circonférence. C'est déjà pas mal. Le PS injecte les protons dans le SPS, qui les accélère beaucoup plus, et le SPS lui-même maintenant, depuis les années depuis 2010, injecte dans le LHC, qui fait 27 km de circonférence. Les protons sont gardés sur leur orbite circulaire par des aimants, c'est les aimants qui courbent la trajectoire des protons, et on a ce grand rayon, et les aimants, on les fait monter le plus haut possible, mais à chaque tour, on accélère un peu plus encore les protons, mais arrive une limite, dans la limite actuellement, c'est 7 TeV, 8 TeV, TeV, c'est téra-électron-volt, c'est-à-dire c'est des milliers de... C'est 10 puissance 12 électron-volts, un millier de milliards d'électron-volts. L'électron-volt, hein, vous connaissez, c'est l'énergie qu'acquiert un électron dans une différence de potentiel d'un volt. Et bien là, on est dans des milliers de milliards d'électron-volts. Et si on accélère plus, et bien les protons prennent la tangente parce que les champs magnétiques n'arrivent pas à ce moment-là à les garder sur leur orbite circulaire. Alors, pour avoir un petit peu plus de détails sur ces machines et cet emboîtement de machines. Donc le PS est ici, on le voit à peine, et il est tout petit, il fait 600 mètres de circonférence. Le SPS fait 7 km de circonférence, donc comme je l'ai dit, c'est les années 70-80.
Le LHC est ici. LHC, ça veut dire Large Hadron Collider. C'est un collisionneur donc de protons. On appelle hadron. Hadron, c'est tout ce qui est fait de quarks. Donc les protons, les neutrons, les noyaux de plomb aussi qu'on collisionne les uns contre les autres. Donc c'est la dernière machine qui fonctionne actuellement. Et donc là, vous voyez un peu le schéma des machines. Donc, on le voit un peu mieux. On part en fait d'une bouteille d'hydrogène qui se situe ici. On met un grand champ électrique. Ça casse l'hydrogène en protons et en électrons. Dans les années 80 et 90, on accélérait les électrons. Et depuis les années 2010, donc maintenant, c'est les protons qu'on accélère. Alors les protons, donc, on les emmène dans une première machine qu'on appelle le booster, qui monte jusqu'à environ 1 giga électronvolt, 1 milliard d'électronvolts. Ensuite, on va dans le PS qui monte jusqu'à 26 milliards d'électronvolts. Et ensuite, le PS va, comme je vous l'ai dit, dans le SPS qui fait 7 km de circonférence et qui monte jusqu'à 450 milliards d'électronvolts. Et ensuite, on va dans le LHC, maintenant depuis 2010, qui monte jusqu'à 7 ou 8 maintenant, 1000 milliards d'électronvolts, 8 téraélectronvolts. GeV, c'est gigaélectronvolts, c'est les milliards. TeV, c'est les téraélectronvolts, c'est les milliers de milliards. Toutes ces machines fonctionnent, donc c'est en série, si je puis dire, mais en même temps, on fait de la physique auprès de ces machines. Par exemple, le PS est utilisé toujours pour fabriquer avec les 26 GeV. Vous savez que la masse d'un proton, c'est de l'ordre de 1 GeV. C'est-à-dire qu'avec avec des protons de 26 GeV, on peut arriver à fabriquer non seulement dans des collisions proton-proton, on peut fabriquer des paires proton-antiproton. L'antiproton, c'est l'antiparticule du proton. C'est comme le proton, mais il a une charge moins au lieu d'avoir une charge plus. Une particule d'antimatière. Et donc, avec le PS, on fabrique plein d'antiprotons qu'on emmène dans cette machine pour les décélérer et on les ramène presque au repos. Là, on leur fait rencontrer des positrons, qui sont les antiparticules de l'électron. Et on fabrique, en ce moment, c'est la plus grande usine à antimatière du monde, le CERN, on fabrique des anti-hydrogènes que l'on stocke à travers des gradients de champ électrique, des gradients de champ magnétique, donc ce qu'on appelle des bouteilles électromagnétiques. Et on arrive à les ralentir suffisamment pour qu'ils soient presque au repos. Et on est en train maintenant de commencer on a pratiquement fabriqué maintenant des milliers d'atomes, d'anti-atomes ou d'atomes d'anti-hydrogène, comme vous voulez, pendant des milliers de secondes. Et donc on est capable maintenant, avec des lasers, de les exciter et de regarder si les propriétés chimiques, atomiques de l'anti-hydrogène, si les spectres sont les mêmes que les spectres de l'hydrogène, ce à quoi on s'attend. Et plus important encore, on voudrait les ralentir suffisamment pour les voir tomber dans le champ gravitationnel ou voir si au contraire, par hasard, il aurait tendance à être repoussé par le champ gravitationnel. Pourquoi ces recherches sont importantes ? C'est que, normalement, les lois de la physique sont symétriques entre les protons et les antiprotons, entre la matière et les particules et les antiparticules. On est parti dans les premiers instants de l'univers de radiation, d'énergie quasiment pure, de la radiation, de la lumière. Et cette radiation s'est convertie en matière, et normalement, elle aurait dû se convertir en autant de particules que d'antiparticules. Et donc, dans l'univers, il devrait y avoir autant de matière que d'antimatière. Et donc, on devrait pouvoir observer des anti-étoiles, des anti-galaxies. Et aussi loin qu'on regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas d'anti-étoiles et pas d'anti-galaxies, parce que s'il y en avait, il y aurait forcément des zones frontières, parce que l'univers n'est pas vide. Il y aurait des zones frontières où la matière et l'antimatière se rejoindraient, et donc ça s'annihilerait. Lorsqu'un antiproton rencontre un proton, il s'annihile, ou un positron et un électron, et ça donnerait un rayonnement énergique caractéristique que l'on n'observe pas. Et donc on se demande où est passée l'antimatière dans l'univers. Alors peut-être que l'antimatière est antigravite, et elle est partie au-delà de l'univers observable. Il y a également, pour essayer de voir s'il n'y a pas des antigalaxies, vous savez que tous les éléments lourds à partir du carbone sont fabriqués dans les étoiles. Il n'y a guère que l'hydrogène, l'hélium, qui ont été fabriqués au moment du Big Bang. Tout le reste, au-delà de l'hélium, les éléments plus lourds ont été fabriqués dans les étoiles et ont été relâchés dans le cosmos lors des explosions d'étoiles à la fin de leur vie. Et ça donne, ça donne de nouvelles générations d'étoiles, mais ça donne aussi ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Et donc on voit effectivement dans le rayonnement cosmique des noyaux de carbone, de fer, d'uranium, de tout ce que vous voulez, qui ont été expulsés par les étoiles. Et on a mis en place, donc le CERN a mis en place sur la station spatiale un satellite. C'était d'ailleurs pratiquement avec la dernière navette qu'il est parti, l'avant-dernière navette, qui regarde s'il n'y a pas des noyaux d'anti-carbone ou d'anti-uranium qui seraient la signature d'anti-étoile dans l'univers. Pour l'instant, on n'a pas observé. Ça a été en 2010 que avec les expériences de ballon, on n'en a pas observé.
Mais maintenant qu'on a cette expérience sur la station spatiale, où la salle de contrôle est d'ailleurs au CERN, hein, dans peu de temps, il devrait donner les résultats de cette expérience et on saura si, effectivement, il n'y a pas, par hasard, peut-être, des noyaux d'anticarbone ou d'anti-uranium qui seraient la signature d'anti-étoiles et d'anti-galaxies lointaines. Alors voilà, tout ça pour vous dire que le PS continue à tourner, à fabriquer de l'antimatière. Bon. Le PS injecte dans l'SPS. Le SPS, lui aussi, fait de la physique. En particulier, il envoie ici, vous voyez en rouge, il fabrique des faisceaux de neutrinos. Les neutrinos, c'est des particules passe-muraille hein, qui traversent la Terre, traversent le Soleil, qu'on a du mal à détecter. Mais on en fabrique suffisamment pour pouvoir les détecter à distance. Et ces neutrinos vont dans la Terre et ressortent au Grand Sasso, dans les Abruzzes, en Italie, avec des détecteurs. Donc ils prennent la corde hein, terrestre en partant du CERN. Ils passent sous l'aéroport de Genève et ils ressortent en Italie. Et on étudie les propriétés des neutrinos. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils changent d'état entre le CERN et au moment où ils réapparaissent en Italie. À un moment, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on a cru qu'ils allaient même plus vite que la vitesse de la lumière pour faire ce trajet. Mais depuis, on a pu montrer que c'était une erreur expérimentale qui a pu être corrigée, d'ailleurs par l'expérience elle-même. Et en plus, la mesure a été refaite par 3 ou 4 expériences qui sont en Italie. Et maintenant, on peut montrer que les neutrinos vont effectivement, ils ont une masse quasiment nulle, et ils vont à la vitesse de la lumière à une très très bonne approximation près. Donc le SPS continue à tourner, a fait ses expériences de neutrinos, et il injecte donc dans le LHC, qui a fait les découvertes dont vous avez entendu parler, notamment la découverte du boson de Higgs, sur laquelle je reviendrai, mais également la découverte d'un nouvel état de la matière, fait de quarks et de gluons, un plasma de quarks et de gluons, lors de collisions plomb-plomb, où tous les quarks qui sont confinés dans les protons se sont libérés de leur carapace pour former une espèce de boule de quarks et de gluons dont on a pu regarder les propriétés. C'est ça essentiellement les 2 grandes découvertes depuis 2010, c'est le plasma de quarks et de gluons et puis le boson de Higgs. Vous voyez quand même que cette stratégie, hein, c'est une stratégie qui s'est construite par étapes sur la durée, sur 50 ans. Elle associe des chercheurs du monde entier, il y a 10 000 chercheurs, plus de 10 000 maintenant, 11 000, qui viennent pratiquement de tous les pays du monde, y compris de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran, d'Israël, des grands pays, États-Unis, Japon, et qui travaillent ensemble pour mieux comprendre la matière et puis comment elle était au tout premier instant de l'univers. Donc c'est une stratégie à long terme, mondialisée, très ouverte. C'est un peu le contraire de la mondialisation qu'on connaît actuellement en économie, qui est à court terme, compétitive, et très fermé avec des brevets et des systèmes comme ça. Donc c'est un peu l'anti-mondialisation, si je puis dire, l'antidote de la mondialisation actuelle. Alors, comme je l'ai laissé entendre, la physique maintenant appréhende des échelles de distance qui vont depuis l'infiniment petit. Alors l'échelle sur laquelle on bute, c'est 10 puissance moins 32 cm, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Le mur de Planck, c'est le mur de l'ignorance, si je puis dire, parce que à ces distances-là, il faut faire appel à la fois à la gravitation, à la mécanique quantique et à la théorie de la relativité. Et on ne s'est pas marié ces trois types de physique, la mécanique quantique et puis la théorie de la relativité avec la gravitation. On peut pas, jusqu'à présent, la théorie de la relativité d'Einstein suit son chemin propre, avec une vision géométrique. Les chemins parcourus sont des géodésiques, c'est déterministe. Alors que les autres interactions, autres que la gravitation, qui sont des interactions traitées par des théories quantiques des champs relativistes, obéissent à un hasard intrinsèque, c'est-à-dire à la mécanique quantique, qui est une théorie probabiliste, et le mariage des deux, on ne sait pas le faire. Or, à partir des 3 grandes constantes fondamentales, la constante de Planck, qui intervient en mécanique quantique, la constante de la gravitation, qui intervient chez Newton, et la vitesse de la lumière, petit c, qui est donc la théorie de la relativité, avec ces 3 quantités, vous pouvez fabriquer une échelle de distance, 10 puissance moins 32 cm, ou bien une échelle d'énergie, 10 puissance 19 GeV, qu'on appelle la longueur de Planck, ou bien l'énergie de Planck, eh bien à des énergies plus grandes ou à des distances plus petites, il faut arriver à marier, on ne peut pas ignorer les effets de l'un et de l'autre, il faut traiter les effets quantiques de la gravitation. Actuellement, on ne sait pas le faire. Et donc, lorsqu'on extrapole l'histoire de l'univers, lorsqu'il était de plus en plus chaud et de plus en plus dense, on tombe sur
cette échelle de Planck pour laquelle on ne sait pas décrire les lois de la physique, et donc on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y avait au-delà. Donc là, c'est là où l'archéologie s'arrête. Dans l'autre extrême, c'est l'échelle de l'univers observable, 10 puissance 28 cm. On ne peut pas voir la lumière au-delà de ça parce que l'univers n'était pas transparent au-delà de 10 puissance 28 cm. Et parce que 10 puissance 28 cm, ça correspond à 13 milliards d'années-lumière. 13 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière met 13 milliards d'années pour nous parvenir. Et il y a plus de 13 milliards d'années, l'univers était tellement dense qu'il était opaque. Et donc on ne peut pas l'observer plus loin. Donc voilà, c'est ça les deux échelles. Entre, vous avez le proton qui est à 10 puissance moins 13 cm, l'atome qui est à 10 puissance moins 8 cm. Évidemment, dans l'autre sens, vous avez le rayon de la Terre, les rayons des galaxies. Et donc au milieu, vous avez la taille d'un être humain, que vous connaissez peut-être, qui se situe là. Pour observer l'univers à très grande échelle, eh bien, vous savez qu'on utilise des télescopes, soit embarqués comme Hubble, soit au sol, comme le VLT au Chili, ou bien ALMA au Chili, ou bien, comme je l'ai dit, on utilise des spectromètres d'antimatière sur la station spatiale, dont j'ai parlé il y a un instant. Pour regarder l'infiniment petit, eh bien, c'est là où on utilise cette machine qu'on appelle le LHC, qu'on peut voir comme un super microscope, puisque plus on monte en énergie, hein, vous savez, les microscopes à électrons ont une résolution meilleure qu'avec la lumière visible, parce que les électrons ont une énergie plus grande que la lumière visible, et bien avec les protons du LHC, on peut les voir comme un super microscope qui permet de regarder les quarks et de regarder à l'intérieur des quarks s'il y a quelque chose. Pour l'instant, on ne voit rien, ils ont l'air ponctuels. Donc cette machine, les 27 km, hein, c'est fait de grands aimants, il y a des milliers d'aimants, et puis des cavités accélératrices pour leur donner une petite pichenette et les accélérer à chaque tour. Quand on observe la matière, on s'aperçoit qu'elle est... c'est une suite de poupées russes. C'est un emboîtement de structures et un emboîtement de lois de la physique. On peut parler de théories qui s'emboîtent les unes dans les autres. Lorsqu'on parle de la matière classique, une infinie diversité, et par contre, les lois sont relativement simples. Par exemple, la loi des gaz parfaits, ben, on fait appel à la pression, au volume, à la température. Et on a la fameuse loi PV égale NRT, que vous connaissez. Mais si on regarde de plus près les gaz ou la matière, on s'aperçoit qu'elle est faite de molécules, c'est la chimie. Là, les molécules sont faites d'atomes, c'est la mécanique quantique. À cette échelle-là, la mécanique classique ne s'applique plus. On en a affaire à des théories quantiques qui sont, où les atomes sont à la fois ondes et corpuscules, où les phénomènes obéissent à des probabilités, c'est des théories probabilistes et non pas déterministes. Mais par contre, on sait que si on a un grand nombre d'atomes, eh bien, on s'attend à ce que les lois de la mécanique quantique appliquées à un grand nombre d'atomes, elles donnent finalement les lois de la mécanique classique. On passe de la mécanique quantique à la mécanique classique par un grand nombre d'atomes, par ce qu'on appelle la décohérence quantique, lorsqu'on a un grand nombre d'atomes. Et c'est ce qui a valu à Serge Haroche le prix Nobel récemment. Les atomes, donc, maintenant, sont plus considérés comme élémentaires, même si étymologiquement, ça veut dire insécables. On sait qu'ils sont sécables. Il y a d'un côté les électrons, qui, eux, sont toujours élémentaires, et qui tournent autour de noyaux, lesquels sont faits de... Donc, obéissent à la physique nucléaire, qui, elle aussi, découle... est un emboîtement par rapport à la mécanique quantique. Et les noyaux sont faits de protons et de neutrons, hein, donc tout ça c'est encore la physique nucléaire. Et les protons et les neutrons sont plus élémentaires, ils sont faits de quarks, et les quarks sont élémentaires au même titre que les électrons. Et pour décrire les quarks et les électrons, on utilise ce qu'on appelle la théorie quantique des champs relativistes, ou le modèle standard, qui est actuellement la limite théorique que l'on a pour appréhender ce niveau d'élémentarité de la matière. Mais toutes ces théories s'emboîtent les unes dans les autres, sont des théories effectives à chacune des échelles, de la même manière que les structures s'emboîtent les unes dans les autres. Et il faut voir qu'on est parti d'une infinie diversité avec des lois assez simples, et on arrive à un nombre de composants élémentaires extrêmement réduit. Toute la matière stable est faite de deux types de quarks, U et D, et d'électrons, donc trois particules. Ceci dit, il existe d'autres familles de quarks et d'électrons, donc on arrive à une douzaine de particules, enfin quand même très très peu. Au milieu, on avait des dizaines de milliers d'atomes, des milliers de noyaux, et donc quelques dizaines de composants élémentaires.
Par contre, ils sont devenus extrêmement abstraits, c'est-à-dire pour décrire un quark, on ne peut pas le décrire comme ça, il faut utiliser l'attirail de la théorie quantique des champs relativistes. Autrement dit, un quark lui-même, on ne peut pas se le représenter, il faut vraiment avoir la théorie pour se le représenter. Donc on est parti d'un monde dans lequel on avait des lois qui étaient complètement distinctes de la matière, et à une matière extrêmement diverse, et on arrive à un nombre de composants très réduits, mais qui portent en eux la complexité des concepts, on ne peut pas les décrire autrement qu'avec des concepts. Et donc le monde des lois et le monde de la matière, là, se rapprochent complètement. Un quark, pour dire ce que c'est qu'un quark, on peut le dire qu'à travers la théorie quantique des champs relativistes. Donc vous voyez qu'on est parti de la matière qui obéissait plutôt aux idées de Platon, où le monde des idées est vraiment très différent du monde de la réalité, à un monde où, pour décrire la matière, les quarks, il faut vraiment faire appel à la théorie. On a l'impression que les deux mondes se rejoignent. Encore une fois, ce supermicroscope donc, qui étudie les quarks, il étudie donc l'infiniment petit, mais il étudie en même temps les lois de la physique juste après le Big Bang, c'est-à-dire lorsqu'un univers était très chaud et très dense, tel qu'on peut le reproduire en laboratoire avec le LHC. Donc encore la même image. Voilà maintenant donc, tous les composants. Hein, c'est le résultat de 50 années de progrès. Donc voilà les composants qui constituent la matière stable, les deux quarks UED, l'électron, et puis auquel est associé le fameux neutrino dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il existe, par rapport à cette famille qui constitue toute la matière stable, des familles instables. Il y a trois familles donc de quarks. Et puis, par exemple, le muon, c'est exactement comme un électron, mais c'est un électron lourd. Et ces quarks-là, c'est comme les quarks UED, mais lourds. Et la troisième famille qui est là. Donc ça, c'est les particules quand même qu'on appelle des particules de matière, parce qu'elles ont ce qu'on appelle, on les appelle des fermions. Elles ont un spin demi-entier, c'est-à-dire un moment angulaire qui est demi-entier. Et dans la théorie quantique des champs relativistes, le fait qu'elles aient des spins de demi-entier, que ce soit des fermions, ça nous empêche de les mettre dans le même état quantique. On ne peut pas mettre deux fermions dans le même état quantique, deux fermions identiques dans le même état quantique. Et c'est ça qui rend compte de l'impénétrabilité, c'est quand même ce qui reste de l'impénétrabilité de la matière. Le monde des forces, le monde des lois dans une certaine mesure, est lui aussi représenté par des particules, donc on voit bien qu'il se rapproche ces deux mondes. Les forces sont véhiculées par des particules, la force électromagnétique est véhiculée par le photon, la force forte est véhiculée par le gluon, la force qu'on appelle faible, qui est responsable de la radioactivité bêta, ou bien de la fusion thermonucléaire de l'hydrogène dans le Soleil, est véhiculée par des particules lourdes qu'on appelle les bosons intermédiaires, qui ont aussi été découverts au CERN dans les années 80, et qui sont très lourds, c'est pour ça d'ailleurs que cette force est faible, et qui fait que les neutrinos qui n'interagissent que par cette force-là, c'est pour ça qu'ils sont passe-muraille, ils arrivent à traverser le Soleil et la Terre, ils ne subissent que cette force-là. Les électrons subissent à la fois la force faible et la force électromagnétique, et les quarks, eux, subissent les trois forces. Donc vous voyez que les forces sont véhiculées aussi par des particules, mais la différence, c'est que ces particules sont de spin entier, en l'occurrence de spin 1, et c'est ça qui fait qu'on peut les mettre dans le même état quantique, et c'est comme ça qu'on fabrique des lasers. Les lasers, c'est des photons tous mis dans le même état quantique. Donc ça, c'est ça le modèle standard de la physique des particules, c'est celui-là. Il décrit donc toutes les interactions quantiques par la gravitation, qui est un monde à part traité par Einstein, la géométrie relativiste et déterministe. Donc le monde des interactions quantiques, c'est celui-là. Le modèle standard, mais si on n'avait que ça, le modèle standard serait incapable de donner une masse à toutes ces particules. Elles auraient toutes une masse nulle. Et pour arriver à rendre le modèle cohérent avec une masse attribuée aux particules, une masse que possèdent les particules, parce qu'on sait qu'elles sont massives, eh bien, il faut pour ça, et c'est cette particule qu'on recherchait depuis maintenant 30 ans, ce fameux 40 ans même, c'est le boson de Higgs, le fameux boson de Higgs, qui a donc été découvert le 4 juillet de cette année, qui était prédit par des théories dans les années 60. Des théories, d'ailleurs, en fait, le mécanisme a été prédit par, pas simplement par Higgs, mais par Brout, Englert et Higgs. Ils sont trois, deux Belges et un Anglais. C'est évidemment la puissance des médias anglo-saxons qui a fait qu'on n'entend parler que de Higgs et que les deux autres sont un peu ignorés. J'espère que quand il y aura le prix Nobel, on saura reconnaître le mérite des trois. Malheureusement, un des trois, Brout, est décédé il y a un an. Alors, ce boson de Higgs, il a la propriété de conférer au vide quantique. Alors le vide quantique, lui aussi, il n'est pas aussi vide qu'on pourrait imaginer. Déjà, le vide classique, hein, il faut bien se rendre compte que
Déjà, la notion de vide classique ne pouvait pas tenir la route, puisque si vous prenez une enceinte, vous faites le vide, vous pompez, bon, vous enlevez toutes les molécules que vous pouvez enlever dedans, il n'empêche qu'il y a les parois qui rayonnent. Et donc, vous ne pouvez pas enlever le rayonnement. Même conceptuellement, vous avez toujours quelque chose dans le vide classique. Alors, dans le vide quantique, encore plus, parce que les relations d'incertitude font que si on l'observe de très près, pendant un temps très bref, il fluctue. Le vide quantique est considéré comme l'état d'énergie le plus bas, mais cet état d'énergie le plus bas, il peut avoir une énergie, et ensuite, il peut être plein de fluctuations quantiques. Et donc, il est considéré comme un quasi-milieu, et le boson de Higgs confère à ce quasi-milieu une sorte de viscosité, et ce sont les particules qui, à travers leur interaction avec le vide quantique, acquièrent une masse dans ce vide quantique. C'est même vraiment un quasi-milieu au point qu'il a connu une transition de phase. Lorsqu'on remonte dans le temps, et lorsque l'énergie et la densité étaient plus grandes que ce qu'on fabrique au LHC, une température plus grande que ce qu'on fabrique avec le LHC, eh bien, la viscosité disparaît, et toutes les particules dans les tout premiers instants de l'univers, lorsqu'il était plus dense et plus chaud que ce qu'on fabrique au LHC, eh bien, les particules avaient une masse nulle, toutes les particules avaient une masse nulle, et donc elles se ressemblaient de plus en plus. Donc vous voyez qu'on peut imaginer qu'à des températures et des énergies plus grandes que le LHC, eh bien, les particules étaient encore plus identiques les unes aux autres. Et donc on va vers une sorte de monisme, c'est-à-dire de particules uniques, de forces uniques, de plus en plus unifiées, avec en plus, comme je vous l'ai dit, une sorte d'immanence, c'est-à-dire que particules et lois se sont intimement mêlées, pour les décrire. Et c'est un petit peu la vision de Spinoza par rapport à la vision de Platon, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, ce qu'on appelle l'immanence par rapport à la transcendance. Alors, cette aspiration vers l'unité, vers la grande unification, vers aller vers une seule particule et une seule force, on la voit, donc elle va de la droite vers la gauche, et c'est pratiquement l'histoire de la physique depuis que la physique est née. Puisqu'on a vu tour à tour la gravité céleste et la gravité terrestre. La gravité terrestre, c'est la pomme qui tombe sur la tête de Newton. La gravité céleste, c'est le mouvement des planètes autour du Soleil, qui se sont unifiées pour donner la gravitation universelle de Newton, qui après a donné la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc c'est cette fameuse théorie déterministe et géométrique qui suit son chemin. Les interactions quantiques sont ici. Elles ont connu aussi, à travers l'unification de magnétisme et de l'électricité, et donc dans l'électromagnétisme de Maxwell, une première unification, et une deuxième plus récente qui a été faite avec la machine qui a précédé le LHC, qui s'appelait le LEP, dans lequel on accélérait, on faisait collisionner des électrons et des positrons dans la grande machine de 27 km du CERN. Eh bien, on pouvait déjà à des énergies de quelques centaines de GeV, on pouvait montrer que les forces électromagnétiques et les forces faibles devenaient indifférenciables, une indifférenciation entre les deux, et on arrivait à un modèle qu'on appelle le modèle électrofaible, qui est de mise au LHC. On ne peut pas distinguer l'interaction électromagnétique et l'interaction faible dans les conditions de température, d'énergie et de densité que l'on a au LHC. On s'attend à ce que l'interaction forte elle-même s'unifie avec l'interaction électrofaible vers 10 puissance 15 GeV, et qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle une supersymétrie. Cette supersymétrie devrait, en principe, établir une symétrie entre les particules de force et les particules de matière. À chaque particule de matière devrait correspondre une particule de force, à chaque particule de force, une particule de matière. Et donc, on devrait trouver un doublement des particules élémentaires. On devrait trouver les images de chacune des particules que l'on connaît aujourd'hui dans ce monde de la supersymétrie. On les cherche activement au LHC, et pour l'instant, on ne les a pas trouvées. Pourtant, la théorie prévoit que ces particules devraient avoir une masse de l'ordre de pas plus que 1000 GeV, ces particules supersymétriques. La plus légère devrait être stable et constituer ce qu'on appelle la matière noire ou la matière sombre dans l'univers, qui est une grande énigme dans la composition actuelle de l'univers. Donc là, actuellement, on ne les a pas trouvées, on les cherche activement au LHC. On espère qu'en doublant l'énergie du LHC, on pourra les découvrir. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. C'est pourtant une étape nécessaire pour aller vers la grande unification et pour l'unification encore plus rêvée avec la gravité, donc la gravité quantique vers 10 puissance 19 GeV, la fameuse échelle de Planck, où il y a quelques théories qui existent, qu'on appelle les théories de cordes ou des supercordes, qui sont des théories très mathématiques, mais qui pour l'instant n'ont pas encore de confirmation expérimentale.
Donc, comme je vous dis, hein, tout le mouvement de la physique, et donc, va vers les, quand on va vers les grandes énergies, vers les petites distances, vers les très grandes densités, tend vers une unification profonde des particules, des forces, des lois et de la matière. Alors, retraduite en image de l'histoire de l'univers, là est décrit l'univers observable, hein, nous on serait ici. Lorsqu'on remonte dans le temps, eh bien, on sait que l'univers actuellement est en expansion, même en expansion accélérée. On pense que cette expansion accélérée est due à l'énergie du vide, dont je vous ai parlé, l'énergie de l'état le plus fondamental. Cette expansion, donc, quand on remonte dans le temps, eh bien, puisque l'univers est en expansion, c'est l'espace lui-même qui est en expansion, hein. Lorsqu'on remonte dans le temps, eh bien, les choses se rapprochent les unes des autres, et comme un gaz, la température de l'univers qu'on peut mesurer, puisqu'on a un rayonnement fossile du premier instant, hein, qui est un rayonnement qui est actuellement à 2,7 K, eh bien, lorsqu'on remonte dans le temps, la température de l'univers, la densité de l'univers augmente, tous les objets sont les plus proches les uns des autres, ce rayonnement fossile devient de plus en plus chaud, au point que, comme je vous l'ai dit, on arrive à un univers qui était quasiment opaque il y a 13 milliards d'années, lorsque l'univers avait de l'ordre du million d'années. Et là, les atomes deviennent dissociés. Si on raconte l'histoire, donc on tend vers une espèce de singularité, de température qui tend vers l'infini, de densité qui tend vers l'infini. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aller plus loin qu'une température de 10 puissance 19 GeV. C'est une température très élevée. Il faut bien voir qu'au LHC, on reproduit des températures de l'ordre du TeV, c'est-à-dire milliers de GeV. La limite sur laquelle on peut extrapoler les lois de la physique, c'est les 10 puissance 19 GeV, donc c'est beaucoup plus que ça. C'est là où, effectivement, la gravité devrait devenir quantique et on ne sait pas la traiter. Mais si on part de cet instant-là, très chaud et très dense, et très petit, c'est tout l'univers observable tenait dans 10 puissance moins 32 cm. Si on part de cet instant-là, il a connu une expansion accélérée dans les tout premiers instants. Au bout d'une picoseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 secondes, hein, vous connaissez la microseconde, la nanoseconde, la picoseconde. Au bout d'une picoseconde, c'est là où le fameux mécanisme de Higgs conduit à une transition de phase du vide quantique. Les particules qui étaient avant sans masse et la lumière apparaissent au bout d'une picoseconde. À la fois la lumière fut et la masse vint aux particules au bout d'une picoseconde. Avant, c'est une espèce de hyperlumière, hein, puisque toute la lumière était unifiée à l'interaction faible et à l'interaction forte. Là, après une picoseconde, la lumière, les photons deviennent ce qu'ils sont, et la masse revient aux particules. Après une microseconde, les quarks et les gluons qui constituent une sorte de plasma sont confinés dans les protons et les neutrons, donc on voit apparaître les protons et les neutrons. Après 3 minutes, on voit apparaître les noyaux. Après 1 million d'années, on voit apparaître les atomes. À partir de ce moment-là, lorsqu'on a les atomes, l'univers devient transparent, c'est-à-dire que la lumière peut voyager sans être piégée par le plasma de charge positive et de charge négative avant que les atomes soient constitués. L'univers devient, tous les atomes, les particules deviennent neutres, hein, ce sont les atomes. Et donc à partir de là se constituent les premières étoiles, les premières galaxies, et donc toute la complexité que vous connaissez, la chimie, qui fait que la vie apparaît au bout de 10 milliards d'années. Et donc toute cette série de transitions, est-ce qu'elle est déterminée entièrement par des lois déterministes, ou bien est-ce que notamment dans les premiers instants, le hasard a joué un rôle, puisqu'on était dans un univers quantique, et que la mécanique quantique est intrinsèquement probabiliste, et par exemple les collisions proton-proton qu'on a au LHC sont de nature quantique, et il n'y a pas deux collisions proton-proton qui se ressemblent exactement, et donc on peut se demander si l'univers tel qu'il est le fruit d'un hasard quantique et qu'il n'y a pas d'autres bulles qui existent au-delà de ce point qui a donné naissance à notre univers observable, il est possible qu'au-delà de ce qu'on observe, il y ait d'autres bulles qui se soient produites avec des caractéristiques différentes de l'univers qu'on connaît. Et actuellement, on a cette grande question, grande énigme, est-ce que tout ce qu'on voit dans l'univers s'explique à partir de conditions initiales? Ou bien, est-ce qu'il y a beaucoup de bulles comme ça au-delà de l'univers observable, où les choses se sont passées différemment, et nous, on est dans la bonne bulle qui a permis l'apparition de la vie dans cet univers observable. Un peu comme on est sur la Terre
alors qu'il y a des milliards de planètes, mais on est évidemment sur la Terre parce qu'il y a les bonnes conditions pour que la vie apparaisse et que dans les, autres milliards de planètes, il n'y a pas de vie. Peut-être qu'il y en a dans certaines planètes. Peut-être que dans certaines autres bulles, il y a aussi de la complexité est apparue. Et actuellement, on n'est pas capable encore de répondre à cette question. Quelle est la part du hasard, quelle est la part de la nécessité dans l'émergence de toutes ces structures, surtout dans les tout premiers instants de l'univers quantique. Alors, on a l'impression qu'à travers ce que j'ai raconté, on connaît un petit peu tout, mais on a quand même donc des grandes questions. Alors, l'origine de la masse des particules, maintenant, on commence à l'avoir compris. C'est une transition de phase du vide quantique dans la première picoseconde. Qu'est-ce que la matière sombre? Lorsqu'on regarde à travers la dynamique des galaxies, les vitesses, la distribution des vitesses, on est capable de remonter à la masse qu'il faut pour garder les choses ensemble dans une galaxie. On s'aperçoit que la masse que l'on peut visible, la masse des étoiles, la masse du gaz, la masse des planètes, la masse qui est faite de protons et de neutrons, d'atomes, ne suffit pas pour expliquer toute la masse dans l'univers. On a au moins 5 fois plus qui est constituée d'une matière dont on ne sait pas quelle est la nature. Elle n'a pas l'air d'être une matière faite de protons et de neutrons. Et donc, c'est peut-être effectivement ces fameuses particules supersymétriques qui pourraient éventuellement constituer cette matière sombre, matière noire. Mais pour l'instant, on ne les a pas découvertes ni autour de nous, ni auprès des accélérateurs. Et encore plus énigmatique, il semble qu'il y ait une forme d'énergie, alors peut-être l'énergie quantique du vide, qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, qui domine même par rapport à la matière sombre. Puisque environ 75% de l'énergie, de la masse énergie, de la densité de masse et d'énergie dans l'univers est fait de cette énergie du vide, qu'on appelle aussi la constante cosmologique. 25% est fait, 20% est fait de la matière noire, et puis 5% de la matière que l'on connaît. Où est passée l'antimatière? J'en ai parlé tout à l'heure. Bon, les neutrinos, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça vaut une conférence à eux seuls. Et enfin, quel est le rôle du hasard, quel est le rôle de la nécessité et pour expliquer l'émergence des structures dans l'univers. Donc vous voyez qu'on est quand même loin, même si je vous ai brossé un grand récit, on est quand même loin d'avoir tout compris, et on est peut-être à la veille d'une révolution si on regarde le fait que 95% de ce qu'il y a dans l'univers n'est pas compris. Donc il faut quand même rester très modeste à ça. Donc depuis mars 2010, et donc là je vais rentrer un peu dans le détail des deux grandes découvertes, on a exploré des nouveaux territoires de l'énergie, si on peut dire, en faisant donc 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 million de milliards de collisions. Il n'y a pas loin d'un milliard de collisions par seconde maintenant au CERN. Hein, à 7 et 8 milliers de GeV, donc 7 et 8 milliers de gigaélectronvolts, de milliards d'électronvolts, dans le centre de masse. Hein. C'est-à-dire que vous avez des protons qui tournent à 4 milliers de milliards d'électronvolts dans un sens et 4 dans l'autre sens. La machine, voilà les éléments de la machine, ça c'est le tunnel qui est à 50 mètres sous terre, hein, cet anneau jaune, c'est un dessin sur la surface, mais en fait tout ça se passe à 50 mètres ou 100 mètres sous terre. Comme je l'ai laissé entendre, c'est une aventure scientifique hors norme. Le LHC était conçu en 1980, il a été approuvé dans début des années 80, il a été approuvé en 94, et les premières collisions ont eu lieu en 2010. L'énergie et la luminosité nominale seront atteintes qu'en 2015, puisqu'on espère en 2015 avoir 2 fois plus d'énergie que ça, et on pense que cette machine va tourner jusqu'en 2030. Donc vous voyez, quand je disais une stratégie à long terme, qui associe des 10 000 chercheurs du monde entier, c'est quand même tout à fait hors norme. 4 grands détecteurs autour de cette machine qui fait 27 km de circonférence. Il faut bien voir que cette machine est refroidie à l'hélium superfluide, à 1,9 K, c'est-à-dire c'est une température plus basse que tout ce qu'il y a dans l'univers, pratiquement. Les protons tournent dans un tube à vide, un vide qui est plus poussé que ce qu'il y a entre la Terre et la Lune. On fabrique des collisions qui sont des collisions les plus chaudes qu'on arrive à faire, qui existent actuellement. C'est les points les plus chauds qui existent dans l'univers. Il n'y a guère que le Big Bang qui a été un point plus chaud que celui que l'on fait actuellement. Donc c'est un peu un contraste des extrêmes. Donc les détecteurs sont des énormes détecteurs qui vont regarder les particules qui émergent de ces collisions proton-proton ou bien plomb-plomb. 4 grands détecteurs qui ont la taille de cathédrale. Ici, vous pouvez deviner la taille d'une personne. 2 Atlas et CMS qui sont à deux points diamétralement opposés.
qui ont découvert le boson de Higgs et qui cherchent toutes les nouvelles particules, notamment les particules supersymétriques. LHCb, qui cherche désespérément les différences entre les particules et les antiparticules pour essayer de comprendre s'il y a une piste pour expliquer pourquoi l'antimatière a disparu dans l'univers. Et Alice, qui étudie les collisions plomb-plomb pour voir quelle est la nature du plasma de quarks et de gluons que l'on arrive à faire en mettant ensemble tous les quarks et les gluons des 200 protons et neutrons d'un noyau de plomb et des 200 de l'autre noyau de plomb qui rentrent en collision. Quand je disais la taille d'une cathédrale, hein, là vous voyez la personne, ça c'est l'intérieur du détecteur d'Atlas avant qu'il soit complètement rempli. Ça c'était au moment de l'assemblage. Quand je disais qu'on faisait des mini Big Bang en laboratoire, donc ça c'était les premières collisions proton-proton en mars 2010 avec des milliers de particules qui émergent de ces collisions proton-proton. Vous voyez l'enthousiasme, donc c'est des gens lors des premières collisions, ça c'est dans l'expérience Atlas, c'est émerveillez-vous, hein, c'est le slogan hein, qu'on a l'habitude de dire au CERN par rapport à indignez-vous, c'est ici, c'est émerveillez-vous. Voilà, donc une des premières découvertes, donc elle était dans les collisions plomb-plomb. Vous voyez les collisions proton-proton, elles se voient visuellement par le fait qu'un proton est fait d'entre trois quarks, un autre de trois quarks. Ils arrivent donc comme ça, vu dans le plan transverse, ils sont dans le tube à faisceau. Il y a un des quarks qui va taper contre un autre quark et qui va être éjecté à grand angle, comme deux boules de billard qui se tapent l'une dans l'autre. Et ce quark se réhabille en un tas de particules, parce que les quarks n'existent pas à l'état libre. Et donc ça donne des milliers de particules dans un sens, des milliers dans l'autre, qui sont opposées dans le plan perpendiculaire au faisceau. Et donc ça apparaît quand on fait un diagramme état-phi dans les deux coordonnées qui sont là, comme deux jets de particules opposées. Eh bien la surprise, ça a été que dans les collisions plomb-plomb, on se serait attendu, donc là vous avez un noyau de plomb qui vient rencontrer un noyau de plomb, un autre noyau de plomb, donc ça, les protons et les neutrons sont déstabilisés, les quarks et les gluons se mettent ensemble. On s'attendrait à voir là aussi deux quarks qui tapent l'un sur l'autre et qui donnent deux jets. Et bien de temps en temps, on voit qu'un seul jet et l'autre a été complètement absorbé par cet état de la matière fabriquée de quarks et de gluons, composé de tous les quarks des deux noyaux de plomb. Et on l'interprète par le fait que la collision a dû avoir lieu sur la périphérie, un des quarks a pu ressortir, et l'autre a été absorbé par un nouvel état de la matière très très dense, qui ne laisse pas passer les quarks à travers, et qui sont complètement absorbés et ressortent dans tous les sens. Et cet état a été étudié ensuite, ça c'était Atlas qui l'a observé, a été étudié par Alice en détail. On a pu montrer que c'était un phénomène de fusion, un peu comme les protons et les neutrons des deux noyaux, qui fusionnent l'un dans l'autre et qui donnent ce plasma de quarks et de gluons. Et on a même pu observer le flash de cet état très chaud, qui est un flash yoctoseconde. Alors pour ceux qui connaissent, il y a la picoseconde, la femtoseconde, 10-15 secondes, latoseconde, 10-18, zeptoseconde, c'est 10-21, et yoctoseconde, c'est 10-24 secondes. Eh bien, c'est un flash dont on a pu voir les gammas, yoctoseconde. En fait, c'est 10 yoctosecondes, 10-23 secondes. C'est le flash le plus bref qu'on ait jamais vu jusqu'à présent. Donc ça a été quand même une grande découverte. Donc ça, c'était fin 2010. Après, il a fallu attendre le 4 juillet 2012, on l'a vu apparaître petit à petit, la découverte du boson de Higgs, donc cette nouvelle particule qui joue un rôle essentiel pour conférer une masse à toutes les autres particules. Cette particule, d'ailleurs, n'a ni un spin 1,5, ni un spin 1. J'avais dit que les particules qu'on connaissait, c'était les particules de matière, spin 1,5, les particules de force, spin 1. Celle-là, elle a un spin 0. C'est ce qu'on appelle un scalaire. Donc elle est vraiment très particulière dans le monde des particules élémentaires. Donc elle est très fugitive, elle se désintègre. On l'attendait dans les modes gamma-gamma et également ZZ. Hein, Z, c'est les particules, les bosons intermédiaires. Et effectivement, c'est dans ces modes qu'on l'a vu. Voilà une des collisions dans lequel il y a deux gamma, et ça c'est dans CMS, et lorsqu'on fait le spectre en masse gamma-gamma, eh bien on voit un pic qui apparaît ici, ça c'est du bruit de fond, qu'on peut interpréter très bien, là, on le reproduit le bruit de fond, mais là on a un pic qui vient se surimposer, sur lequel il y a un zoom qui a été fait, hein, et qui est un pic très significatif, dont on a pu montrer que la probabilité que le bruit de fond
à 126 Gz. Donc ça, c'est vu par Atlas, le même pic était vu. La probabilité que le bruit de fond puisse simuler un tel signal, elle est de l'ordre de 1 sur 1 milliard. Donc on a bien, dans deux expériences différentes, dans ce canal de la gamma-gamma, mais également dans le canal ZZ, on a vu, également à 126 Gz, deux canaux différents, deux expériences différentes. Ça, ça a convaincu qu'on avait bien découvert une nouvelle particule et qui semble, par ces modes de désintégration, avoir toutes les propriétés attendues du boson de Higgs. Le séminaire a eu lieu le 4 juillet donc 2012 au CERN à 9h du matin. Moi, j'étais là-bas. Je peux vous dire que déjà la veille au soir, il y avait des jeunes, un peu comme vous, qui commençaient à faire la queue pour entrer dans l'auditorium parce qu'ils savaient que l'auditorium serait trop petit pour contenir tout le monde. Et même si on avait fait des salles un peu comme ici, mais bon, finalement, on n'en a pas eu besoin, mais des salles qui retransmettaient le séminaire, mais ils voulaient tous rentrer dans la salle principale. C'était webcasté dans le monde entier. Et le matin, il y avait une queue de 500 mètres à 1 km pratiquement. Donc c'était vraiment comme un concert de rockstar. Hein. Alors ça a été retransmis. Il y avait une salle où il y avait les journalistes, des journalistes du monde entier. Ça a été retransmis dans toute la presse et la télévision du monde entier. Ça a été assez incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un écho. On estime qu'il y a eu pas loin de 1 milliard de personnes qui ont été exposées d'une manière ou d'une autre à la découverte du boson de Higgs. D'ailleurs, lorsqu'on interroge, on a fait un micro-trottoir il n'y a pas très longtemps, hein, est-ce que vous avez entendu parler du boson de Higgs ? Oui, oui, on en a entendu parler, c'est là où ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, ils ont mélangé avec les neutrinos, mais ça, c'est pas bien grave, mais ils avaient entendu parler du boson de Higgs et du CERN. Donc, voilà, ça a été très... Donc, ça montre quand même le fait que les médias et que les gens en ont entendu parler et qu'ils sont intéressés par ça, le fait que vous soyez nombreux dans la salle, ça montre qu'il y a quand même une appétence pour essayer d'avancer, mieux comprendre de quoi on est fait, d'où on vient, hein, c'est des questions fondamentales, comprendre la matière, comprendre les secrets du Big Bang. Il n'y a pas que l'économie, que le matériel qui intéresse les gens. Hein. Ça a été relaté en Inde, ça a été relaté dans tous les pays. Extrêmement, et vraiment en première des journaux télévisés. Et on a été surpris nous-mêmes. Bon, on avait bien sûr communiqué, mais on ne s'attendait pas à un tel écho médiatique, alors que c'est extrêmement difficile à comprendre. Ce que je vous ai dit, c'est quand même des termes qui ne sont pas faciles à comprendre pour le grand public. Et malgré tout, on sent qu'il y a une appétence pour que, même s'ils ne le comprennent pas, qu'il y ait des gens qui continuent à poursuivre ces recherches pour mieux comprendre ce qu'on est, ça fascine le grand public et je pense que c'est quand même réconfortant. Donc encore une fois, une manière de le décrire, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de parler du vide quantique qui est plein de particules virtuelles non détectables, ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. Et ces particules virtuelles introduisent une viscosité du vide, et notamment ces particules virtuelles de Higgs, du boson de Higgs. Là, on les a créées de manière réelle au CERN, et on les a vues, mais dans le vide quantique, elles interviennent de manière virtuelle. Et elle crée ce qu'on appelle une symétrie spontanément brisée. C'est ce fameux chapeau mexicain, pour ceux qui connaissent un peu la supraconductivité. C'est le même phénomène qu'il y a en supraconductivité. Donc lorsque l'univers était plus chaud, plus dense, tout était symétrique par rapport à cet axe. Et il y a un moment où l'état du vide quantique ne reproduit plus cette symétrie par rapport à cet axe. Il tombe dans un trou hein, qui est lié à ce chapeau mexicain. Même s'il aurait pu tomber n'importe où, c'est ça qui est rémanescent qui peut nous rappeler la symétrie originale, il tombe quelque part, un peu comme un bâton que sur lequel vous appuyez, à un moment, donc tout est symétrique par rotation, mais à un moment il flambe et il va s'incurver quelque part dans une direction. Donc vous avez perdu la symétrie de rotation du départ, sauf que si vous répétez l'expérience un grand nombre de fois, eh bien, il va prendre toutes les directions possibles et imaginables. Nous, on ne peut pas répéter l'expérience un grand nombre de fois parce qu'on n'a qu'un seul univers. Et donc ça pose la question de savoir s'il n'y a pas d'autres bulles ailleurs où le vide quantique, éventuellement, aurait des propriétés légèrement différentes de ce qu'il a dans la partie que l'on peut observer. Il reste encore à vérifier que c'est vraiment le boson de Higgs prédit par le modèle standard. Ce qu'on prévoit, c'est qu'il doit se désintégrer. Plus la particule est lourde, plus il aime bien se désintégrer dans cette particule-là. Donc actuellement, on a regardé un petit peu les modes de désintégration. On a des grandes barres d'erreur par rapport à cette ligne droite là qui devrait suivre. Et c'est pour ça qu'on veut tourner jusqu'en 2030 où là, par rapport à la masse, on pourra regarder vraiment si son couplage, ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman, obéissent à cette relation de linéarité.
Mais il nous reste encore une deuxième grande question qui est liée à cette fameuse supersymétrie et à ce problème du hasard et de la nécessité. C'est quand même un peu étonnant qu'il ait une masse aussi légère. À 126 GeV, effectivement, le modèle standard peut s'extrapoler sans difficulté jusqu'à l'échelle de Planck. Il ne pose pas de problème essentiel. Et donc, on pourrait dire on a la théorie jusqu'à là où on ne peut plus aller parce qu'il faut faire appel à la gravitation. Mais malgré tout, cette masse légère du boson de Higgs, à l'intérieur du modèle standard, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si faible. Normalement, lorsqu'on calcule les ordres successifs, parce que le modèle standard permet de calculer aussi la masse du boson de Higgs, et en principe, on s'aperçoit qu'elle devrait diverger et tendre vers 10 puissance 15 GeV ou 10 puissance 19 GeV, sauf s'il existe une supersymétrie, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les calculs, il y a des boucles de nouvelles particules qui viennent compenser les valeurs que l'on calcule avec les particules que l'on connaît. Et donc on s'attendrait pour que la masse du boson de Higgs soit si faible qu'il y ait des boucles de nouvelles particules, des particules supersymétriques, qui permettent de compenser et d'éviter que cette masse diverge. Donc on a vraiment besoin de cette supersymétrie pour expliquer pourquoi la masse est si faible et elle n'est pas de l'ordre de 10 puissance 19 GeV, qui est la seule échelle naturelle que l'on peut fabriquer avec les constantes petit h, c et g. Sauf si effectivement il y a une supersymétrie qui est presque exacte, mais pas tout à fait exacte, et qui vient compenser et permettre d'arriver à des quantités beaucoup plus petites que 10 puissance 15 GeV ou 10 puissance 19 GeV. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de cette nouvelle physique. Donc la question se pose, est-ce qu'on a effectivement une loi à la supersymétrie qui explique pourquoi la masse du boson de Higgs est si faible, ou bien est-ce que c'est le hasard et qu'il a juste cette valeur-là, parce que sinon l'univers n'aurait pas suivi l'histoire que l'on connaît et on ne serait pas là pour en parler. Et donc pour l'instant, on n'a pas trouvé. Ceci dit, on voudrait attendre au moins la deuxième étape du LHC, où on va doubler l'énergie du LHC, avant de dire si on bascule plutôt du côté de ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est le terme en anglais, qui plus ou moins veut dire le hasard, ou bien est-ce qu'on va découvrir cette loi qui nous expliquera tout. La supersymétrie, qui est d'ailleurs une nécessité pour aller vers la grande unification et vers les supercordes des théories de la gravitation quantique. Voilà, donc ça c'est un exposé qui vous trace un petit peu la science que l'on fait au CERN, avant de rentrer dans des considérations plus politiques. Le CERN fait visiter les installations, le LHC, maintenant je crois qu'il y a 85 000 visiteurs cette année. Il y en avait 75 000 l'année dernière, 95 000 cette année. Il y a des enfants qui viennent des classes primaires. Et après, on leur raconte un peu ce baratin-là. Et on leur dit, faites-nous un dessin. Qu'est-ce que c'est qu'un physicien? Faites-nous un dessin. Et dites-nous qu'est-ce que c'est qu'un physicien. Alors voilà, on en a des milliers comme ça. Hein. C'est sur un site web, www.dessine-moi-un-physicien.cern.ch. Donc voilà un dessin. Un physicien fait des milliers de calculs et cherche ce qu'il y a après l'espace. C'est pas mal, hein, je trouve, comme interprétation. Un physicien cherche le pourquoi du pourquoi, c'est encore mieux. Et donc maintenant, j'en arrivais donc quand même, qu'est-ce que c'est que le CERN, et regarder un peu le côté géopolitique et détailler un peu ce côté qui a rassemblé les pays du monde entier et faire une recherche ouverte, contribuer à former, éduquer, communiquer et également innover. Donc le CERN est né dans les années 50. Il a été l'objet d'une convention qui a été... c'est un traité qui a été donc signé par les chefs d'État et ratifié par les parlements et dans lequel, un peu comme l'Union européenne, hein, dans lequel réellement c'est les gens qui avaient mis ce traité, qui étaient à la fois des diplomates et des scientifiques, avaient vraiment une vision du CERN qui s'est réalisée petit à petit et une vision du CERN à plus de 50 ans. Hein. Puisqu'on en est pratiquement que maintenant on commence à avoir réalisé cette vision. Alors il y avait bien sûr l'aspect recherche. Dans l'aspect recherche, c'était reconstruire après la dévastation de la guerre et la fuite des cerveaux européens vers les États-Unis ou bien vers l'URSS, redonner à l'Europe la capacité de s'unir dans une physique qui demandait de mettre ensemble des moyens pour rivaliser à nouveau avec les États-Unis et avec l'URSS de l'époque. Alors ça, je crois qu'on l'a fait, puisque maintenant, le CERN, d'une part, a accompli cette mission de repousser les frontières de la connaissance, avec les secrets de la matière, les secrets du Big Bang,
Et le LHC est une machine qui est devenue une machine européenne à vocation mondiale, puisque la planète entière vient y travailler, et c'est la machine phare en matière de frontières en énergie et de densité. Il n'y a pas d'équivalent maintenant dans le reste du monde. Les Américains pratiquement ont abandonné avec leur dernière machine qui s'est arrêtée dès que le LHC a démarré, et ils viennent travailler au CERN. Bon, l'URSS a eu d'autres problèmes depuis et n'a plus l'ambition de rivaliser. Le Japon travaille aussi au CERN, et la Chine, pour l'instant, même si elle a des ambitions, elle n'a pas encore la capacité de faire une machine chez elle et de rassembler la planète entière sur son territoire. Donc le CERN, effectivement, a réalisé cette mission scientifique et maintenant non seulement rattrapé les États-Unis et l'Asie, mais est en tête sur ce plan-là au niveau mondial. Ça ne veut pas dire que ça le sera pour toujours, hein, mais actuellement, pour encore jusqu'à 2030, je pense que ça continuera à l'être. C'est la capitale mondiale de la physique des particules. Développer une nouvelle technologie, c'était dans les missions du CERN, et les développer de manière ouverte et gratuite. C'est au CERN que le web est né, et la face du monde aurait été différente si le web avait été breveté par Hewlett-Packard, qui était sur le point de le breveter. Le CERN, pour ses besoins de collaboration mondiale, a inventé, c'est au CERN qu'a été inventé le web pour communiquer entre les physiciens, et l'a rendu public, et c'est grâce à ça que le web est gratuit, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire du business, hein, ça contribue à la croissance dans le monde à travers le web, mais ça a permis à tous les pays d'accéder à l'information de manière gratuite. Les accélérateurs ont été un moyen aussi de faire avancer le médical, la lumière synchrotron qui a été inventée avec les accélérateurs de particules sert maintenant à imager la matière. L'imagerie, les images de particules ont trouvé leur expression dans l'imagerie médicale aussi, et également pour imager la matière. Je reviendrai là-dessus. Former les scientifiques et les ingénieurs de demain, je vous ai dit déjà, ne serait-ce qu'à travers la communication et en faisant visiter le CERN à 100 000 personnes par an, et en formant les profs qui viennent aussi au CERN de tous les pays, je vais y revenir, le CERN a contribué parfaitement à cette mission-là. Et enfin, science pour la paix, rassembler des personnes de différentes nations et de cultures. Et donc, je vais terminer mon exposé avec quelques planches sur ces thèmes-là. Donc, comme je vous l'ai dit, le savoir-faire, c'est les accélérateurs, c'est le traitement des données, des millions de milliards de collisions dans lesquelles il y a des millions de pixels à chaque fois qui sont touchés, et ces images, c'est ça le créneau du CERN. Donc maintenant, par exemple, les accélérateurs sont de plus en plus utilisés dans la médecine pour détruire des tumeurs, donc avec des faisceaux de carbone notamment. On arrive à faire arrêter le faisceau au milieu du cerveau sur une tumeur que l'on a imagée et qui fait peut-être quelques millimètres cubes. On est capable de déposer toute l'énergie dedans et de détruire cette tumeur sans irradier le reste du cerveau ni le reste du corps, a fortiori. Et c'est en train de se développer de plus en plus. Également dans les yeux, pour des tumeurs dans les yeux. La détection, donc l'imagerie des particules permet de faire maintenant des images remarquables du point de vue médical, qui permettent, avec des doses de plus en plus faibles, de faire des images du corps, et notamment détecter des tumeurs qui peuvent ensuite être combinées avec les accélérateurs pour être détruites. Et puis donc le traitement des données, donc comme je l'ai dit, le web, les logiciels libres. Le CERN est en tête, c'est lui qui assure un peu la maintenance des logiciels libres. C'est aussi une méthode pour faire avancer de manière collaborative les logiciels, ce qui n'empêche pas des entreprises d'utiliser ces logiciels et de faire du business avec. Mais c'est une autre approche au logiciel. Publication gratuite, le CERN a négocié avec les éditeurs le soin et leur fournir les moyens de faire leur travail pour analyser les publications qui sortent du LHC, mais ensuite les publications sont mises sur le web et sont d'accès gratuit pour toutes les universités du monde entier, qu'elles soient en Inde ou qu'elles soient aux États-Unis. La grille de calcul pour traiter toutes ces données de qui viennent du LHC, eh bien le CERN a fait une espèce de toile qui est constituée de tous les ordinateurs de tous les utilisateurs du monde entier, que ce soit des très gros ordinateurs au CERN ou aux États-Unis ou en Europe, ou bien des PC sur les bureaux des utilisateurs. Tout ça fait un gigantesque ordinateur. L'accès est libre
Encore une fois, que vous soyez en Inde ou aux États-Unis, vous avez la même puissance calcul, vous avez accès à toutes les données. Vous savez pas, c'est transparent pour l'utilisateur, il ne sait pas où le calcul se fait, où sont les données, et ça permet à chacun d'exprimer le meilleur de lui-même sans avoir à se limiter du point de vue calcul ou du point de vue données. Donc vous voyez que c'est des outils collaboratifs mondiaux qui sont quand même assez innovants, et encore une fois, dans un esprit de partage, c'est un peu à chacun ce que l'on sait besoin. Hein. Maintenant, c'est plus tellement à la mode, mais le CERN est peut-être le dernier endroit où cette politique se fait de manière très généreuse et d'accès égal partout. Activité de formation. Les programmes d'étudiants d'été rassemblent des étudiants de partout, au point que maintenant, on a au CERN à la fois des étudiants palestiniens, des étudiants israéliens, des étudiants iraniens, des étudiants pakistanais. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Hein. C'est un melting pot extraordinaire. Des profs de physique donc, qui viennent tour à tour de leur pays et à qui on fait l'enseignement dans leur langue et qui ensuite peuvent revenir dans leur lycée. Vous avez une carte ici des pays qui envoient des profs au CERN ou bien des étudiants d'été. Je vais revenir sur cette carte au sens de l'organisation. Donc le CERN, voilà comment les pays sont connectés au CERN. Le CERN a été fondé en 1954, il y avait 12 États membres. Maintenant, il y a 20 États membres. Ce sont ces États qui sont marqués ici. Ce sont essentiellement des États européens. Mais cette ouverture européenne se fait de plus en plus large. Voilà les États qui sont actuellement en accession, en train de monter vers l'accession. Chypre, la Roumanie, l'Israël, qui est quand même un confin de l'Europe, Serbie, Slovénie. On a un deuxième cercle qui s'appelle les États associés. Donc ça, les États membres mettent au pot commun. Ils contribuent à la hauteur de leur richesse intérieure brute. Ils définissent la stratégie. C'est eux qui ramassent les contrats et les positions permanentes au CERN. Mais les membres associés contribuent à 10% de ce qu'ils contribueraient s'ils étaient membres. Ils peuvent recevoir aussi certains contrats et avoir certains postes, mais ils n'ont pas le droit de vote. On voit apparaître maintenant le Brésil, l'Inde, la Russie, la Turquie et l'Ukraine. Et puis on a les États qui sont dits observateurs au Conseil, c'est-à-dire ceux qui ont contribué au LHC, à la machine, mais qui ne contribuent pas au pot commun général. Et enfin, on a tous les utilisateurs des expériences qui ont des accords de coopération avec le CERN. Le budget est de l'ordre de 1 milliard d'euros pratiquement par an, 10 000 utilisateurs, 2 000 membres permanents et 1 000 qui sont temporaires. Vous voyez ici sur la carte comment le monde est connecté au CERN. En blanc, c'est ceux qui n'ont aucune connexion avec le CERN. Malheureusement, c'est l'Afrique, essentiellement. En rouge, ceux qui ne participent qu'aux expériences du CERN, essentiellement donc les utilisateurs, qui envoient des utilisateurs, qui ont des accords de coopération. En vert, donc ceux qui ont contribué en plus des expériences qui ont contribué à la machine LHC et qui viennent aux sessions du CERN lorsqu'on parle du LHC, aux sessions du Conseil du CERN. Et en bleu, donc les États membres. Maintenant, on va avoir des États associés donc, qui vont apparaître très bientôt, qui sont donc le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Ukraine. Vous voyez que les États-Unis envoient plus d'utilisateurs. Hein, les États-Unis, c'est 1700, que la France elle-même, qui n'en voit que 800. Ceci dit, la France a la particularité d'avoir la moitié du personnel permanent est français. Donc, évidemment, on est très bien représenté. C'est sur la frontière franco-suisse. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit très, très présent. Et donc, je vais terminer avec cette planche. En disant que voilà, c'est une aventure, la plus grande aventure scientifique mondialisée, hein, le LHC. Ça correspond à une quête de l'humanité, comme je l'ai dit, hein, de quoi on est fait, d'où on vient, basée sur un rationalisme collectif, c'est plutôt rassurant, et des valeurs communes. On a réussi, et on va terminer ça d'ailleurs au prochain Conseil du CERN la semaine prochaine, à faire admettre un code de conduite à tout le monde, qui soit donc encore une fois d'Inde, de Pakistan, d'Iran, d'Israël, d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est là. Code qui est donc basé sur 5 valeurs principales qui sont l'intégrité, le professionnalisme, l'engagement, la créativité et la diversité. Et donc je trouve que c'est quand même pas rien de rassembler autour du rationalisme avec un code de valeurs partagées. Chaque utilisateur signe ce code de conduite, rassemble par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté. Donc comme je vous l'ai dit, derrière il y a des questions philosophiques, les interférences entre, enfin les subtilités entre hasard,
les fluctuations quantiques, les brisures de symétrie, nécessité, les lois, les théories effectives, l'émergence d'un emboîtement de structures et de lois, ce chapeau mexicain là qui est intriguant, et encore du chemin, mais de nombreux rendez-vous. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Le boson et le chapeau mexicain ». Voilà, et merci beaucoup. Donc, pour... Bonsoir. Je voulais simplement savoir si au CERN, on cherche toujours le graviton. Alors le graviton, c'est... Bon, on ne cherche pas directement la particule, le graviton. Ce qu'on cherche, c'est les ondes gravitationnelles. Vous savez qu'avant qu'on ait trouvé le photon, on avait d'abord trouvé les ondes hertziennes, qui étaient la traduction de l'unification électromagnétique de Maxwell. Et ensuite, on a trouvé le photon plus tard. Actuellement, on en est encore à chercher l'équivalent des ondes hertziennes pour les ondes électromagnétiques. Pour la gravitation, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles qui sont prévues par la théorie d'Einstein, dans lesquelles on s'attend à ce que lorsqu'il y a un phénomène cataclysmique dans l'univers, il y a une onde gravitationnelle qui se propage, qu'on peut essayer de détecter sur Terre et qui se traduit par un changement de la métrique de l'espace et du temps. Donc on voit. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gigantesque. C'est pas au CERN que ça se passe, c'est en Italie, Virgo, hein, qui est on fait un interféromètre de Michelson. C'est-à-dire deux lasers de 3 km, deux faisceaux lasers de 3 km qui se réfléchissent n fois, ça fait des centaines de milliers de kilomètres qu'ils parcourent. Et ensuite, on les fait interférer. Ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, les deux lasers. Et donc, on s'attend à ce qu'une onde gravitationnelle va jouer un petit peu différemment sur la distance entre les deux miroirs qui réfléchissent les faisceaux lasers d'un des lasers par rapport à l'autre qui est perpendiculaire. Et ça va faire bouger la figure d'interférence. Et pour l'instant, on n'a pas vu encore cette onde gravitationnelle passer. Il y a également des antennes pareilles aux États-Unis. Ils sont en train d'améliorer la sensibilité. Et on prévoit qu'ils devraient observer ça dans les années qui viennent, hein, si tout va bien. Les phénomènes cataclysmiques qui déclenchent ça, c'est la coalescence de deux étoiles à neutrons formant un trou noir. Ce trou noir se forme, les deux étoiles à neutrons perdent de l'énergie par rayonnement gravitationnel, tombent l'une sur l'autre. Et dans les 20 dernières millisecondes, il y a une puissance dégagée sous forme d'onde gravitationnelle qui, si les théories sont justes et si le taux de production de cet événement sont corrects, eh bien normalement, Virgo et LIGO, Virgo en Europe et LIGO aux États-Unis, devraient observer ça jusqu'à une distance de 100 mégaparsecs, donc tout l'amas de la Vierge, et donc on devrait avoir un événement comme ça par an. Il faut attendre qu'ils atteignent ce qu'on appelle Advanced Virgo et Advanced LIGO, c'est-à-dire d'ici un an ou deux. J'aurais voulu savoir pourquoi vous utilisez du plomb, pourquoi vous faites des collisions plomb-plomb et pas d'autres collisions. Alors, pourquoi on fait plomb-plomb avec le plomb, d'abord, la température de fusion du plomb est assez basse, comme vous savez, donc on arrive à faire des vapeurs de plomb, et ensuite le plomb se prête bien à éplucher le plomb complètement, c'est-à-dire on enlève tous les électrons, de manière à bénéficier complètement de la charge pour pouvoir les accélérer un maximum dans l'anneau. Et c'est le plus facile, évidemment, on cherchait à prendre des ions lourds pour pouvoir faire un plasma de quark et de gluon. C'était le plus facile à réaliser techniquement, c'est uniquement pour ça. Hein. Maintenant, on est en train d'essayer de faire des collisions or-or, mais c'est plus difficile, parce qu'on voudrait voir la différence. Je vous ai dit qu'on arrivait à avoir un nouvel état de la matière en plomb-plomb, qu'on n'a pas en proton-proton, hein, cet état de plasma de quark et de gluon, qui est un état très dense. Et donc, on voudrait voir à partir de quel moment il se forme, notamment si, en prenant d'autres ions... Il y a argon-argon qu'on vise aussi, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on ne sait faire que proton-proton et plomb-plomb. C'est purement technique, c'est les vapeurs de plomb et l'ionisation du plomb. L'ionisation complète, l'épluchage complet du plomb. J'ai une question en fait, à propos des doubles détections. Par exemple, pour les neutrinos, comment est-ce qu'on fait pour détecter un neutrino concret et savoir, par exemple, que c'est ce neutrino-là qui est parti de tel endroit et qui est arrivé à tel endroit? Pour l'expérience des neutrinos qui partent du CERN vers le Grand Sasso. Les détecteurs donc, détectent des interactions qu'ils voient dans le Grand Sasso. Effectivement, il y a des rayons cosmiques qui tombent dans les détecteurs. Il faut qu'ils les séparent
des neutrinos qui viennent du CERN. Mais le faisceau de protons du SPS, quand il tape sur une cible et qu'il fabrique des neutrinos, il est pulsé. C'est-à-dire que c'est toutes les 10 microsecondes, il y a une bouffée de protons qui dure quelques nanosecondes, qui vient frapper sur la cible. On connaît le temps exact au moment où les protons frappent sur la cible et donc le moment où les neutrinos sont émis. Et on fait une coïncidence à ce moment-là avec les détecteurs au grand sasso. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les détecteurs enregistrent des collisions de rayons cosmiques qui sont uniformes dans le temps, mais en synchronisation avec le SPS du CERN, ils voient un excès d'événements qui tombe juste au temps qui est attendu pour des neutrinos qui voyagent à la vitesse de la lumière, puisque finalement ils voyagent à la vitesse de la lumière, entre le CERN et le grand sasso. Donc c'est la coïncidence temporelle, décalée par le temps que mettent les neutrinos pour arriver du CERN au grand sasso, qui permet de dire que c'est bien des neutrinos qu'on a vus du CERN à ce moment-là, parce qu'il y a un pic juste à ce moment-là. Le trouble qu'il y avait eu, c'est que les gens disaient « on voit bien une coïncidence, mais elle arrive 10 nanosecondes avant que ce qu'on attendrait ». C'était ça qui avait déclenché. Les neutrinos vont plus vite que la vitesse de la lumière, ils les voient arriver 60 nanos, je crois, avant ce qu'on attendait. Et finalement, c'était un câble qui était mal connecté. Donc vous voyez que la grande physique, des fois, elle peut buter sur des choses presque triviales. Bonjour, j'aimerais savoir, en fait, vous avez dit que les quarks up et down constituent les protons et les neutrons, mais aussi à quoi servent les autres quarks? Et j'avais aussi une autre petite question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement le principe de la théorie des cordes et de la gravitation quantique? La gravitation quantique, elle aussi, Je vais commencer par la première question. C'est une grande question pour laquelle on n'a pas encore vraiment la réponse. C'est vrai que la matière ordinaire, on a besoin que des électrons, des quarks UED. Bon, à la limite, on peut dire qu'on a besoin du neutrino E parce qu'on a une interaction faible qui est nécessaire pour expliquer, par exemple, la fusion thermonucléaire de l'hydrogène dans le Soleil. Donc avec ça, la première famille UED de quarks et puis électrons et neutrino E, on explique toute la matière stable. Or, on a trois familles qui sont une répétition de la première, mais simplement, ils sont plus lourds. À chaque fois, ils sont plus. La deuxième famille est plus lourde, et la troisième famille est encore plus lourde. Et donc, c'est une des grandes questions, c'est de savoir pourquoi il n'y en a pas qu'une seule famille, et pourquoi il y en a trois et pas plus. Apparemment, il n'y en a pas plus. Alors, la première. Pourquoi il y en a plus? Alors, il y a une interprétation, c'est de. Il n'y a pas vraiment de réponse encore aujourd'hui, hein, pourquoi il y en a trois. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les quarks ne sont pas... c'est ce que j'ai laissé entendre avec les neutrinos. En fait, les quarks et les neutrinos d'une famille ne sont pas les états propres, pour ceux qui ont fait de la mécanique quantique, de l'interaction faible ou bien de l'interaction forte. Il y a ce qu'on appelle des mélanges. Lorsqu'on les laisse se propager dans le vide, on part d'un neutrino E qui a été produit comme un état de l'interaction faible, lorsqu'il se propage, il va développer des composantes des autres états de neutrinos. De la même manière, les quarks, ils ont tendance à se mélanger. Vous produisez un quark d'un certain type, il a tendance à développer avec le temps des quarks d'autres espèces. Et donc ce phénomène d'oscillation, un peu comme les phénomènes à deux états en mécanique quantique, ce phénomène d'oscillation d'un état à un autre permet d'expliquer pourquoi on voit des légères différences, parce qu'on en voit quand même, entre les particules et les antiparticules. Par exemple, on voit des différences entre le comportement des quarks B et des antiquarks B, qui sont des quarks lourds. Et ça peut se comprendre qu'il faut pour avoir ça, pour pouvoir le décrire dans le cadre du modèle standard, il faut qu'il y ait au moins trois familles pour qu'on ait une espèce de une matrice 3-3 qui regroupe, qui connecte les états les uns aux autres. Et il faut qu'il y ait une phase dans cette matrice, c'est-à-dire qu'elle soit complexe, et à ce moment-là, les opérations de conjugaison de charge, de parité, permettent d'expliquer pourquoi on voit des petites différences entre quarks et antiquarks. Alors évidemment, l'espoir qu'on avait, c'était que ces petites différences expliqueraient pourquoi la matière subsiste dans l'univers et pourquoi on n'a pas d'antimatière dans l'univers. Malheureusement, on n'arrive pas à faire ce chemin complet depuis l'existence de ces trois familles, les différences entre quarks et antiquarks, et le fait qu'on n'a pas d'antimatière dans l'univers. On n'est pas arrivé à boucler la boucle et on n'arrive pas dans un scénario cosmologique cohérent à expliquer pourquoi l'antimatière a disparu. Mais en tout cas, on a une piste
il faut au moins trois états de quarks, trois familles, pour pouvoir expliquer ce qu'on appelle la violation de CP, c'est-à-dire la différence entre particules et antiparticules. Ah oui, alors la question sur les cordes, Donc, en gros, comme je vous l'ai dit, le mur de l'ignorance, c'est lorsqu'on atteint des échelles d'énergie de 10 puissance 19 GeV, ou bien des longueurs de 10 moins 32 cm, c'est les longueurs et les échelles d'énergie que vous pouvez fabriquer avec les trois constantes fondamentales, petit h, la constante de Planck, c, la vitesse de la lumière, et g, la constante de gravitation. C'est là où, en principe, on est obligé d'avoir affaire à une gravité quantique. Et donc, les gens, bon, même si on n'a pas actuellement de moyens de tester ça, puisque, comme je vous l'ai dit, au CERN, on n'en est qu'à un millier de GeV, c'est pas 10 puissance 19. Hein. On est loin du compte pour pouvoir reproduire des effets expérimentaux. Donc les effets expérimentaux, ils existent que dans le Big Bang, mais il n'y en a qu'un. Dans les trous noirs, mais pour les voir, ce n'est pas facile, par définition. Dans les trous noirs, effectivement, là, on s'attend à ce que ces phénomènes aient lieu à ces échelles de Planck. Ces théories sont un peu des spéculations, puisqu'il n'y a pas moyen de les vérifier expérimentalement. Néanmoins, il y avait l'idée que, mathématiquement, il n'y avait qu'une seule voie pour arriver à faire cette unification, ce qu'on appelait la théorie des supercordes, et on pensait avoir découvert la théorie de tout, parce qu'elle était unique d'un point de vue mathématique. Alors, c'était un peu le côté unique qui entraînait l'adhésion entre les mathématiciens, si je puis dire. Mais depuis, malheureusement, on a montré que ce n'était pas si unique que ça, et il y a des variétés, pas à l'infini, mais enfin, il y a beaucoup de variétés. Ça fait appel à des dimensions cachées, et donc l'unicité de cette théorie a disparu, et donc maintenant, on est laissé un petit peu à l'abandon, parce que dans cette forêt-là, on ne sait pas très bien comment se diriger, sans test expérimentaux. Alors, c'était basé sur le fait que les particules, au lieu d'être des points, sont des petites cordes, et c'est ces cordes vibrantes qui permettaient d'aller vers une théorie unifiée. Ça reste quand même une piste intéressante. Je vous ai dit qu'une des étapes au moins testables, c'est l'existence de la supersymétrie, donc la symétrie entre les particules de force et les particules de matière, entre les spins entiers et les spins de demi-entiers, que l'on recherche activement au LHC, dont pour l'instant on n'a trouvé aucune trace. Bonsoir, j'ai deux questions. Est-ce que vous attendez à trouver une autre particule que le boson avec un spin zéro? Et est-ce que vous travaillez en collaboration avec Antares à propos des neutrinos? Bon, alors c'est deux questions très différentes. Oui, la question du est-ce qu'il existe d'autres particules de spin zéro, notamment d'autres bosons de Higgs? Dans la théorie de la supersymétrie, il devrait en exister d'autres. Et donc on les cherche activement, pour l'instant on n'en a vu qu'un. Et donc tout colle avec le modèle standard tout nu, sans supersymétrie. Et comme je vous l'ai dit, en plus, avec une masse de 126 GeV, il peut s'extrapoler quasiment jusqu'à l'énergie de Planck, ou pas très loin. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi sa masse est si faible, et que pour la seule manière de le comprendre, ça serait d'invoquer la supersymétrie, qui elle demanderait d'autres bosons de Higgs. Donc on est dans un circuit, on cherche activement. Et on espère que, soit avec plus de collisions, mais encore mieux, en montant l'énergie, en la doublant, comme on l'espère d'ici 2015. Pour ça, il faut qu'on refasse toutes les soudures. On a un problème actuellement, c'est quand on essaie de monter... Pour pouvoir doubler l'énergie, il faut monter le courant dans les aimants, qui le tiennent. On les a tous testés avec deux fois plus de courant. Le problème, c'est les soudures entre les aimants. Hein, et celles-là, elles ne tiennent pas. Il faut des soudures avec des résistances du nano-ohm. Nano-ohm, on ne savait même pas mesurer ça. Donc, il a fallu d'abord inventer la manière de mesurer ces résistances avant même d'imaginer de pouvoir faire des meilleures soudures. Et donc, le LHC va être arrêté à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, pendant 2 ans, pour refaire les 10 000 soudures, qui sont les interconnexions entre les aimants. Donc, encore une fois, on bute sur des choses qui peuvent paraître triviales, mais il y a intérêt à ce que les soudures soient bonnes, parce que sinon, vous savez ce qui se passe, c'est que si la soudure n'est pas bonne... Eh bien, vous perdez la supraconductivité, c'est-à-dire que toute l'énergie magnétique, qui est pratiquement équivalente à plusieurs gigajoules, c'est-à-dire l'énergie d'un TGV en pleine puissance, toute l'énergie va passer en chaleur. Hein. Toute cette énergie qui est contenue dans le courant va se transformer par les champs magnétiques, va se transformer en chaleur à cause de si ça devient résistif. C'est-à-dire vous passez l'état superconducteur à l'état résistif. Et alors là, la crainte que vous n'arriviez pas à l'évacuer est vraiment très sérieuse. C'est-à-dire vous risquez de faire fondre quasiment la machine. Donc on a intérêt à avoir une assurance qualité sur ces soudures. Ça va nous prendre 2 ans. Donc on va doubler l'énergie en 2015. Et donc là, c'est l'espoir. C'est peut-être que
la supersymétrie est au coin et qu'on va la trouver à ce moment-là. Sinon, sinon on tombe sur une grande énigme, comme je vous l'ai dit. Est-ce que le boson de Higgs a cette masse-là par hasard? Et on est dans ce qu'on appelle le fine-tuning. Ou bien il y a des lois qu'on n'arrive pas à trouver. On réfléchit déjà aux prochaines machines au-delà du LHC, hein, parce que je vous ai dit que le LHC avait été conçu en 80, décidé en 94 et les premières collisions en 2010, il va tourner jusqu'à 2030. Donc si on va assurer un futur au CERN, il faut commencer déjà à réfléchir à quelle machine on voudrait construire après le LHC. Et donc il y a deux optiques et qui vont dépendre s'il y a des découvertes ou pas. S'il y a des découvertes avec le LHC, les collisions proton-proton, c'est des collisions un peu montre-suisse, hein, puisqu'il y a des quarks, des gluons là-dedans. Ce n'est pas des particules élémentaires, les protons. Et donc l'idée, c'est que si on trouve des nouvelles particules, à ce moment-là, on voudra les étudier avec précision et faire des collisions, et plus et moins. Et comme les électrons rayonnent beaucoup de lumière et qu'on ne peut plus les accélérer dans des machines circulaires jusqu'au TEV, notamment le LHC, on n'arriverait pas à monter jusqu'au TEV, même avec une machine 10 fois plus grande que le LHC. À ce moment-là, on ferait un linéaire parallèle au Jura de 50 km avec les électrons qui partent d'un côté, les positions de l'autre, et ils se rencontrent au milieu. D'ailleurs, il faut qu'on ait des gradients très grands, c'est-à-dire qu'il faut partir de zéro pour monter à un TeV en 25 km. On a les techniques qui commencent à être capables de faire ça. L'autre possibilité, c'est si on trouve des particules qui sont à des énergies et qui ne sont pas vraiment atteignables en collision électron-positron, c'est-à-dire plusieurs TeV, ou bien si on ne trouve pas et qu'il faut aller encore plus loin en énergie, eh bien évidemment la méthode c'est de faire un super LHC, enfin un very large, un très grand LHC, qui fasse 80 km de circonférence, qui passerait sous le lac, sous le petit lac, derrière le Salève pour ceux qui connaissent la région, sous le Jura, et dans lequel le LHC injecterait. Donc c'est un peu encore une nouvelle couche qu'on ajouterait, PS, SPS, LHC et super LHC. 80 km de circonférence. On a regardé déjà le génie civil, ça passerait sous la ville de Genève. Bon, outre que c'est peut-être pas plaisant pour les habitants, mais sinon, ça fait pas de radiation. Et le coût n'est pas si grand que ça. Hein. Le coût le plus important, c'est évidemment de remplir d'aimants et de cavités. C'est pas le génie civil qui est le coût le plus important. C'est là. À part le problème d'acceptabilité, qui est toujours un problème délicat. Voilà, donc on réfléchit à ça, et avec l'idée que ça sera en 2018 qu'il faudra décider. Ah oui, Antares, vous aviez posé une question sur Antares, j'ai oublié de dire. Alors Antares, donc je vous ai dit que les neutrinos venaient du centre du Soleil, venaient des étoiles qui explosaient, des trous noirs qui se formaient, et donc on essaie de faire de l'astronomie des neutrinos. Alors l'astronomie des neutrinos, donc voir des neutrinos énergiques qui arrivent des confins de l'univers, il faut d'abord se protéger de tous les rayons cosmiques qui nous tombent sur la tête, donc il faut des détecteurs gigantesques, parce que évidemment les neutrinos interagissent très peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sous la mer. Et donc, actuellement, il y a un détecteur qui s'appelle Antares, hein, qui est au large de Toulon, qui est au fond de la mer Méditerranée, à 2000 mètres sous la mer. Hein. C'est-à-dire qu'on a 2000 mètres de mer qui nous protège des rayons cosmiques qui nous tombent dessus. Et en fait, pour être encore plus sûr que c'est bien des neutrinos, on regarde les neutrinos qui nous arrivent de l'autre côté, hein, qui viennent de la Nouvelle-Calédonie. Comme ça, on est tranquille que ce n'est pas vraiment des rayons cosmiques qui peuvent... Et effectivement, ils sont en train de détecter... de les chercher. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore trouvé, hein, de neutrinos extraterrestres. On voit des neutrinos qu'on appelle les neutrinos atmosphériques, mais qui sont toujours liés aux rayons cosmiques qui frappent sur l'atmosphère et qui donnent des neutrinos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les neutrinos qui viennent vraiment du cosmos. Et jusqu'à là, on ne les a pas trouvés. Alors, il y en a d'autres qui ont un détecteur encore plus grand. C'est les Américains qui ont mis ça sous la glace de l'Antarctique et qui ont un volume encore plus grand. Et ils prétendent avoir vu quelques neutrinos extragalactiques, mais ils n'en sont pas encore très sûrs. Bonjour. Alors, ma question, c'est comment faites-vous pour différencier les particules symétriques? Et qu'est-ce qui les différencie les deux, en fait? Ah, les particules supersymétriques. Alors, ce qui les différencie, c'est qu'on s'attend à ce que la particule supersymétrique la plus légère soit stable et neutre électriquement, parce que sinon on la verrait autour de nous. Donc on s'attend à ce qu'elle compose dans la fameuse matière sombre dans l'univers. Donc lorsqu'une particule supersymétrique est produite au LHC, elle va se désintégrer en cascade jusqu'à la particule la plus légère, qui est donc stable, neutre électriquement, qui interagit très peu, parce que sinon on l'aurait vu, toute cette matière noire autour de nous. Et donc elle s'échappe du détecteur en faisant de l'énergie qui manque par rapport à l'énergie initiale des deux protons incidents. Donc on a une double signature, une cascade
et qui se termine par de l'énergie qui manque dans l'événement. Et donc c'est quand même très caractéristique de voir ces cascades de particules lourdes les unes dans les autres pour arriver à la particule la plus légère qui va s'échapper en laissant un bilan énergétique qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est échappé. Le bruit de fond, c'est les neutrinos, effectivement, hein, qui sont des particules aussi qui s'échappent sans laisser de traces. Mais on arrive à distinguer l'un par rapport à l'autre. Vous nous avez dit que l'énergie fournie au LHC était d'environ de 1 TeV. Donc on devrait pouvoir obtenir de la matière noire. Mais qu'est-ce qui se passerait lorsqu'on en obtiendrait ? Ben, on doit pouvoir fabriquer des particules de matière noire. C'est-à-dire, c'est des particules, on pense que la matière noire n'est pas faite de protons et de neutrons. On a un tas de manières de s'en convaincre, ni d'électrons, donc pas de matière ordinaire. Elle est faite donc, de matière qui doit être neutre électriquement, invisible, interagissant très peu, sinon on verrait les interactions. Et donc la manière, comme je l'ai dit, de chercher les particules qui pourraient constituer la matière noire, c'est de chercher des particules qui s'échappent du détecteur sans laisser de traces et qui emportent une grande quantité d'énergie. Et donc c'est à travers le bilan énergétique et l'absence de particules associées à la direction dans laquelle part cette énergie, par cette impulsion manquante, que l'on peut chercher ces particules qui nous échappent. Le bruit de fond étant encore une fois les neutrinos, qui ressemblent un peu à ça. Bonjour, alors ma question, c'est à propos du traité signé pour la création du CERN, donc il avait une fin scientifique mais également politique. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette fin a eu des incidences sur le CERN par la suite, des incidences politiques, et qui est-ce qui a eu l'idée du CERN ? Alors l'idée du CERN, il y a, comme je l'ai dit, il y a des scientifiques, hein, il y a Pierre Auger, qui est un des Français, il y a Amaldi, Eduardo Amaldi, qui est un Italien, donc des très grands scientifiques, il y en a encore d'autres hein, que j'oublie, et des diplomates, il y avait François de Rose, qui était un diplomate suisse qui a beaucoup poussé à ça, Dautry aussi qui a beaucoup poussé à ça. François de Rose d'ailleurs vit encore, il a fait un article, il a 101 ans, il a fait un article dans Le Monde qui était remarquable, toute une page dans Le Monde, hein, au moment de la découverte du boson de Higgs, juste après la découverte du boson de Higgs. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent de Monet ou de Schumann, des gens qui ont créé l'Europe, hein, qui avaient vraiment une vision. Maintenant, l'aspect politique qu'on a, alors, ils avaient déjà prévu donc, vraiment une organisation européenne ouverte sur le monde, hein, c'était la science pour la paix, avec l'idée qu'à terme, même si c'était créé au début par des États européens, si réellement on arrivait à rayonner dans le monde entier et à attirer d'autres États, c'était notre mission. Donc c'est ce qu'on fait actuellement avec ce deuxième cercle d'associés, où il y a donc la Russie, le Brésil, l'Inde, les BRIC, hein, si je puis dire, même si pour l'instant les États-Unis et le Japon ne veulent pas faire partie de l'organisation, ils préfèrent participer à des projets en tant que tels, mais pas rentrer réellement dans l'organisation. Enfin, c'est déjà une belle ouverture vers le monde. Les considérations politiques, on essaie de faire en sorte que ce soit quand même une organisation scientifique. Hein. Et donc, ce qui est quand même vrai, on garde quand même l'idée que le cœur, c'est-à-dire les États membres, soient européens, en mettant plutôt les associés autour dans un deuxième cercle, c'est-à-dire ceux qui apportent que 10%, mais qui n'ont pas le droit de vote, mais qui participent quand même à toutes les délibérations et peuvent donner leur avis. Donc il y a quand même pour l'instant l'idée que ça doit quand même rester européen, ouvert vers le monde. On n'est pas encore sur l'idée d'une organisation mondiale de type ONU scientifique. Hein. On est encore sur une organisation européenne ouverte sur le monde. Mais alors que c'était partie d'une organisation purement européenne. Maintenant, quels sont l'aspect, par contre, que l'on n'avait pas vu venir, hein, qui est devenu maintenant important et sur lequel, moi, j'essaie de faire évaluer ça. Donc ce système d'innovation hein, qui a donné lieu au web, au logiciel libre, maintenant à la grille de calcul, donc qui est une innovation collaborative, ouverte, gratuite, basée sur le long terme. J'ai demandé, le Conseil du CERN a souhaité que l'OCDE, qui est donc l'Organisation commune du développement économique, évalue combien ce modèle-là contribue à la croissance dans le monde. On sait que le web a contribué beaucoup à la croissance dans le monde, même avec un système gratuit qui n'a pas empêché les entreprises ensuite de se constituer, de faire toute une économie du web. Et donc l'OCDE a planché pendant plus d'un an, deux ans. Ils doivent sortir leur rapport, j'aurai le draft, enfin la première version, lundi quand je serai au CERN. Et elle devrait être présentée d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et donc on verra comment s'est évalué ce modèle d'innovation.
Moi, je pense que c'est quand même un modèle intéressant. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ça. Par exemple, Airbus et Boeing commencent à en avoir assez de faire la R&D séparément, alors qu'ils pourraient très bien la faire ensemble, quitte à ce qu'après, ils puissent faire l'exploitation des avions séparément. Donc il y a une tendance même dans le monde des entreprises de se dire que finalement, la R&D, on pourrait la faire ensemble avec un modèle de type CERN. Ce qui n'empêche pas ensuite d'avoir la possibilité, comme avec les logiciels libres, de faire quand même du business. Donc voilà, donc j'essaie de pousser à ce que c'est un côté semi-économique, politique, d'avoir une validation de ce modèle-là, qui est un modèle un peu sans brevet, hein, par rapport au modèle de brevet qui retient l'information et qui la garde pour soi. Là, on est dans un modèle où immédiatement tout est mis gratuitement. La Chine n'est pas associée du tout. Si, la Chine a contribué elle a contribué à des accords de coopération, c'est-à-dire qu'elle envoie des utilisateurs. Elle n'a pas encore contribué pratiquement à la machine. Elle est encore loin du compte. Non, c'est le Japon qui, en Asie, est le plus avancé. Hein. Ils ont même des projets au Japon. Mais les États-Unis sont bloqués par rapport au CERN. Les États-Unis auront du mal à faire une machine mondiale, d'une part parce que chez eux, la prééminence du Congrès sur tout traité est quasiment dans la Constitution. Donc ça les empêche de faire un traité multilatéral. Ils ont moins l'habitude des négociations multilatérales que l'Europe, qui devait les faire, ne serait-ce que pour faire vivre l'Europe. Et en plus, le problème des visas aux États-Unis est quasiment insurmontable. L'Asie est divisée comme, je veux dire, entre le Japon et la Chine. Avant qu'ils arrivent simplement à faire quelque chose en Asie, je pense que l'Europe a un créneau pour les installations mondiales scientifiques qui est en or. Bon, c'est pas par hasard que ITER est également en Europe. Et à mon avis, les installations qui seront de plus en plus mondialisées parce que la science évolue quand même vers des choses de plus en plus lourdes qu'il faut mutualiser, l'Europe a un créneau à jouer qui est extraordinaire. Tout à l'heure, vous parliez d'augmenter l'énergie en 2015, donc la doubler. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement augmenter l'énergie? Ça veut dire donc augmenter la vitesse et pouvoir dépasser la CFA1? Non, en théorie de la relativité, vous avez une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Donc si vous prenez un proton, il est déjà au LHC, il est à 0,99999, il doit y avoir 6,9 fois la vitesse de la lumière. Donc vous augmentez, lorsque vous lui mettez de l'énergie, vous pouvez lui mettre de plus en plus d'énergie, il se rapproche de plus en plus de la vitesse de la lumière, mais son énergie cinétique, son énergie augmente. Si vous lui mettez par exemple du champ électrique, vous pouvez lui conférer de l'accélération, hein, vous mettez un champ électrique sur une certaine distance, eh bien vous avez une force qui est liée à sa charge électrique et au champ électrique et la longueur sur laquelle vous l'accélérez. Donc vous continuez à lui donner de l'énergie par une différence de potentiel. Hein, donc là, si vous avez un certain nombre de volts de différence de potentiel avec la charge du proton qui est la même que la charge de l'électron, vous lui conférez un certain nombre d'électrons-volts par la différence de potentiel dans lequel vous le faites voyager. Donc vous lui donnez des électrons-volts en plus, donc des GeV, des giga-électrons-volts en plus, mais il est toujours à la vitesse, quasiment à la vitesse de la lumière. C'est epsilon, la vitesse qu'il acquiert. Il acquiert très peu de vitesse, mais il peut continuer à acquérir de l'énergie par les différences de potentiel dans lesquelles vous placez le proton successivement à chaque tour. Vous disiez que le boson de Higgs était à 126 GeV de masse. Oui. Mais alors pourquoi il faut balancer 7 téraélectronvolts? Alors c'est vrai. Pourquoi il faut balancer 7 téraélectronvolts? C'est parce que d'abord, il y a deux raisons pour ça. D'abord, c'est que, comme je vous l'ai dit, les protons, c'est un magma de quarks et de gluons. Hein. Le proton, il fait 3 quarks, mais c'est même plus compliqué que ça. 3 quarks qui sont liés par des gluons. Tout ce monde-là emporte une fraction variable, d'ailleurs, d'une collision à l'autre, de l'énergie des protons. Donc, finalement, quand vous avez une collision quark-quark, c'est qu'une fraction de l'énergie d'un proton incident qui vient buter contre une fraction de l'énergie du proton, de l'autre proton incident. Tout le reste, les autres quarks et gluons, restent en spectateur et continuent dans le tube à vide. Donc, l'énergie utile réellement des 8 TeV est inférieure à 1 TeV collision par collision, parce que tout le reste est pris par les autres quarks. Et en plus, comme c'est une fraction variable, il faut qu'on ait la chance que les deux veuillent bien s'additionner pour donner juste les 126 GeV du boson de Higgs. C'est vrai que c'est pour ça que si on voulait avoir une machine très efficace,
il vaudrait mieux faire une machine et plus et moins, parce que là, les électrons et les positrons sont des composants élémentaires, et à chaque collision, vous pouvez fabriquer votre boson de Higgs. Là, il faut fabriquer des milliards de collisions, hein, vous avez vu, un million de milliards de collisions pour observer, finalement, aujourd'hui, de l'ordre de 1 millier de bosons de Higgs. Donc le rendement n'est pas très grand. Et ça, c'est l'inconvénient des collisions proton-proton. Elles vous permettent d'accéder à des énergies très grandes, donc chercher les particules supersymétriques, mais il y a un gâchis qui est terrible, c'est qu'il faut aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Bonsoir. Oui, j'ai une question. Je crois que c'était juste avant la mise en service du LHC. Il y avait des chercheurs qui étaient très effrayés par la probable formation de mini-trous noirs. Qu'est-ce que c'est qu'un mini-trou noir et est-ce que ce problème est toujours d'actualité ? Alors, c'est un épisode intéressant parce qu'il touche à ce qu'on appelle le principe de précaution. Donc, dans les théories des supercordes, il y a l'idée qu'il y a des dimensions cachées. Et dans ces dimensions cachées, il y a la gravitation qui peut intervenir. Bref, il y a la possibilité théorique de fabriquer, dans une collision proton-proton, hein, où enfin on a un état très dense de la matière, de fabriquer un mini-trou noir. Un mini-trou noir, c'est-à-dire un trou noir, c'est un état de la matière où la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Hein. C'est-à-dire c'est un état très dense qui fait que rien ne s'échappe, en gros. Et au contraire, un trou noir, comme les trous noirs macroscopiques dans l'univers, absorbe tout. Et donc les gens disaient, bah, si on peut fabriquer des mini-trous noirs, même si les théoriciens disent qu'ils vont s'évaporer immédiatement et se désintégrer, est-ce qu'on est vraiment sûr de ces théories que, de toute façon, on ne connaît pas très bien ? Comme je vous l'ai dit, il y en a des multiples. Et en plus, on n'a pas une maîtrise complète, loin de là, de ces théories-là. Et donc, à travers les incertitudes qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une collision proton-proton, ou pire encore plomb-plomb, fasse un mini-trou noir qui soit beaucoup plus stable que ce qu'on veut bien dire et qui accrète d'abord le tuyau autour, l'expérience autour, la ville de Genève, la planète. Et donc, au nom du principe de précaution, il y a eu la cour de Hawaï qui a été saisie, et puis en Allemagne, il y a eu des procès qui n'en finissaient plus, qui ont d'ailleurs terminé, je crois que ça a été... Les personnes n'ont été déboutées que depuis quelques mois seulement. Alors, la réponse, elle n'a pas été facile. Hein. Le CERN a pris la chose sérieusement. Ça montre jusqu'à où on peut pousser le principe de précaution, parce qu'à la limite, on pourrait dire que lorsqu'on fait 2 collisions de voitures sur l'autoroute, par effet tunnel, j'en sais rien, avec une probabilité extrêmement faible, on pourrait fabriquer un trou noir et donc interdire la circulation sur l'autoroute à cause du principe de précaution. Donc, c'est sans limite. C'est sans limite. Hein. Néanmoins, on a voulu aller plus loin que ça et voir si on était capable de donner un argumentaire scientifique, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser le fait que la théorie prévoit qu'il s'évapore, parce qu'on sait bien qu'on a des failles dans la théorie, on n'a pas la théorie de tout, puisque sinon on arrêterait les recherches, donc il y a tout un domaine de non-connaissance dans lequel on peut s'infiltrer pour dire que peut-être on pourrait arriver à fabriquer ces trous noirs. Mais en fait, ce qui nous sauve, c'est les rayons cosmiques. Parce que la Terre est bombardée depuis des milliards d'années par des rayons cosmiques qui ont des énergies beaucoup plus grandes que ce qu'on fabrique avec le LHC. Et on peut montrer que depuis que la Terre est Terre, elle a reçu sur elle beaucoup plus de rayons cosmiques d'énergie plus grande que ce qu'on fabrique au LHC que tous les protons, les collisions proton-proton qu'on arrivera à faire avec le LHC. Beaucoup plus, et les chocs ont une énergie dans le centre de masse qui est plus grande que les collisions proton-proton. Donc, à travers ça, on a pu montrer, et il y a eu un papier qui a été fait, qui a été soumis à des référis, donc un papier qui a suivi la procédure scientifique, qui montrait qu'à travers ce qu'on sait de la Terre et des autres planètes et des autres étoiles, et du bombardement cosmique, c'était pas possible que on puisse fabriquer des trous noirs qui viennent absorber la planète, puisqu'on aurait vu des phénomènes cataclysmiques de cet ordre-là. Pour les collisions plomb-plomb, c'était un peu plus compliqué parce que quand même, bon, proton-proton, il y en a plein. La plupart des rayons cosmiques sont des protons et ils cognent contre des protons. Alors, des collisions plomb-plomb, quand même, il y en a un peu moins. Là, il faut utiliser des arguments un peu plus compliqués, le fait que le plomb est fait de protons et de neutrons. Mais c'était quand même assez convaincant. Ceci dit, j'ai appris il y a une semaine qu'il y a encore le New Scientist qui est en train de revisiter la question, qui voudrait m'interviewer pour être sûr qu'on a fait les choses de manière
correct du point de vue gouvernance en suivant le principe de précaution et le moindre risque, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des incertitudes dans la théorie dans lesquelles on pourrait imaginer. Qui est... Donc le problème, vous voyez que derrière, c'est d'appliquer le principe de précaution avec des probabilités qui sont epsilon, mais évidemment des risques qui sont gigantesques. Donc c'est zéro que multiplie l'infini dans lequel on n'a pas... dans lequel ce n'est pas facile de naviguer. Ceci dit, là, les rayons cosmiques nous ont sauvés, mais pour la prochaine machine, si on va vers la prochaine machine de 100 eV, c'est-à-dire 10 fois plus que le LHC de 80 km de circonférence, cet argument-là ne pourra plus marcher. Parce que là, on arrive à des collisions plus fortes que les rayons cosmiques. Bon, eh bien, merci en tout cas d'être venu. Merci.